reporting ready for launch. Cool. Et échelle hein. Oh le con. J'ai planté la graine de flux sans l'analyser, je sais plus où j'avais planté au début. Ah si attends. Ah si je crois que j'ai un souvenir. Coin. Ça je me doute. Ça je me doute. Je me doute que c'est dans le coin. C'est moi la cam elle est moins zoomée que d'habitude. Je crois qu'elle a jamais été très zoomée en fait. Y'a. Bon. J'ai pas. Bon. Les champs. Je viens de changer le champ d'Inferium. Hein. Je viens de changer le champ d'Inferium. Donc en gros sur une route, donc sur un truc là comme ça, d'un coin à l'autre. Ça a monté de 1-1-1 à 8-9-4. Ce qui est pas mal. En fait, alors là, le seul souci, c'est que j'ai peur que la graine qui arrive ici, elle soit genre en 10-18, un truc comme ça. Et ça me ferait chier. Après, la force, c'est celui dont j'ai moins besoin. Donc je me dis qu'au pire, même si j'ai un full champ en 10-18, c'est pas la mort. Et je préfère avoir un 10-10-10, quoi. Le flux, je crois que je l'ai planté ici, du coup. Ouais check mais ça nous a donné. Et le quartz je l'avais planté là-bas hein. Bon j'ai pas analysé non plus. Et normalement c'est cette graine là et cette graine là les deux plus grosses. On va bien le voir hein. Si j'ai une graine en 2-2-3 ou tout comme ça c'est que c'était pour là. Donc on verra bien. Et si Amu Mandukik. Comment as-tu? Terminer manuellement ça prend 30 secondes. Ah celle-là. What? J'avais pas regardé parce que j'étais dans le tas. Attends, wait.
On a vraiment une graine là en 10-18 hein. En un coup. No joke. Vous êtes conneries. Vous êtes conneries. Non bah celle-là j'ai évité de l'acheter. Et voir ça, ça me donne combien. Ah oh oh, c'est la pire stat qui est montée, c'est la... Chier. Ça vaut le coup, ça fait un peu plus chier. Ouais bah comme quoi c'est full random hein. C'est soit t'as de la chance, soit t'en as pas quoi. Un petit peu unlucky. Un petit peu unlucky. Bon du coup le Certus, je vais tèche tout le champ. J'ai vite fait la montée là en 2 speed à la mano en 10-10-10 et puis voilà. Le tir doit jouer. Bah même pas forcément parce qu'au final tu... Ouais. Ouais si. Mais tu vois j'ai eu la même chose sur un... Enfin Inferium il a en combien? Inferium c'est un tier 5 tu vois, il a eu autant que le flux, voire mieux. Donc le tir doit sûrement y jouer, mais pas que. Il y a aussi une part de hasard on va dire. Alors... Bon j'ai jeté une essence hein, c'est pas grave. De toute façon les essences en vrai ça sert pas à grand chose de les mettre dans la plaid. Faudrait juste que... Enfin si je vais les mettre dans la plaid mais après je la remettrai dans le crafter une fois que l'autocraft sera mis. Pour l'instant j'étais pas autocraft encore, ça sert à rien, il n'y a pas encore le champ opérationnel. C'est bien Richard, comment vas-tu? Hop. Oh tu mets tes graines nulles dans ton applied. J'ai fail. J'ai fail. Je voulais les mettre dans la poubelle et j'ai pas fait gaffe, j'ai mis dans la blade. Parce qu'en gros, vu que pour mon applied, c'est shift E et pour ouvrir un inventaire pour être dans la poubelle, c'est E, je confonds. Je confonds et je fais pas attention. Tech. Attendez, j'ai vite fait. J'ai vite fait tirer la veste parce qu'en vrai, il fait chaud. En vrai, j'ai chaud là. Il fait plus chaud qu'hier. Là, ça tient. Ah, tiens, c'est chaud quand même. Ah, puis là, je me gèle. Ouais, t-shirt, j'ai froid quand même. Il faudrait un truc plus léger, mais j'ai rien de plus léger. J'aurais dû mettre un t-shirt à manches longues ou une autre comme ça, je sais pas. Alors, bon, il reste la moitié du champ à faire, hein, évidemment. C'est un petit peu une étape chiante ça quand tu fais un champ de 80 graines, là qu'après bah, faut toutes les jeter et récolter les crops, récolter les essences. C'est un petit peu la partie chiante du truc. Bon, avec ça. Yes, week. Et c'est Fanoub. Quand t'allais où? Tac. C'est quoi toutes les graines que j'ai là-dedans? C'est les graines de Wither Squelette. Et pourquoi j'ai... J'ai toutes ces graines de... J'ai dû faire la même... En fait, j'ai dû faire la même erreur qu'avec les graines de Tardus, quoi. Je fail. Hop. Dans la tête, elle serait dans l'ail, il est con. Il est con. Nick. Ok. Alors, on va prendre la graine de Sartus. On va vite faire l'update. Hein. Enfin, vite faire l'update, vite faire l'upgrade plutôt. Trois croisements, vous pensez que ça suffit? Je pense qu'on va mettre ça pour être large parce que de temps en temps, ça upgrade pas. Je sais pas si ça peut sauter des étapes. Hein. Genre passer de 8 à 10 instant. Je sais pas si c'est faisable. Et reboot. Plaisir, t'es le premier streamer à bien dire mon pseudo. Ouais, après en vrai, je t'avoue que si je l'avais lu d'un seul coup sur le truc, je pense que j'aurais dit Marshall. J'aurais pas dit Maréchal. Mais après, j'ai compris la subtilité du jeu de mots quoi. Mais je l'aurais lu instant, c'est genre dans une donation, un truc comme ça. Je pense que j'aurais fait. Je pense que j'aurais fail. Ouais, je suis curieux de voir la graine si elle est déjà en 10-10-10. En même temps, ça serait une perte de temps de la détruire. Pour après la replanter si elle était pas, quoi. Ça me ferait un poil chier. Donc bon. Bon, après, de toute façon, là, on va faire. Ah, j'aurais peut-être dû replanter le flux. Oh, je reprendrai le flux une fois que j'aurai mis la graine 10-10-10 et que je la ferai se propager. Je propage.
C'est Alps. Et oui, tu peux passer de 8 à 10, mais pas avec cette technique-là. Les croisements augmentent en fonction de la possibilité de croisement qu'ils ont. Donc le plus rapide, c'est une croix. Avec le croisement au milieu. Et les 4 cils sur autour. Ah, ok. Ça roule. Hein. Donc en gros, si jamais j'avais la graine là et que j'avais mis des trucs comme ça, j'aurais pu passer. J'aurais pu sauter plusieurs étapes. Ok. Ok, ok. C'est pour ça de toute façon qu'au final en vrai c'est pour ça qu'en fait quand tu fais un champ comme ça et que tu mets une graine de début donc une 1-1-1 elle peut arriver presque en 10-10 jusqu'au bout parce qu'avec tous les croisements qu'elle a pu faire. Pourquoi elle ne fait pas grandir cette coupe? Ok. Qu'est-ce que ça a donné comme graine? Pourquoi ça... Comment ça se fait que j'ai notre graine identifiée? Ça marche, Alps. Oh, c'est vraiment une technique de merde en fait, ça. Je reconnais. Ça m'a saoulé. Juste faire ça. De toute façon là il m'en reste 15, ça sert à rien de me faire chier à faire une croix en vrai. Hein. Je m'étais dit que sur 3 tentatives j'ai les moyens de la faire grandir la graine quoi. Elle bouge de 1. Elle bouge de 1. C'est l'inverse. Hein. De quoi l'inverse? Ah en mode t'as les graines ici, c'est au milieu? C'est ça? Obénique. Ah! En tout cas, c'est. Non, les bâtons. Oui, parce qu'elle cumule les possibilités de croisement. Ah, ok. Ok, ok. Bon, je vais juste checker celle-là si elle a monté et sinon, je vais en faire trop. Merde. De toute façon, elle n'est pas stackée avec les autres, donc elle est forcément montée. Elle est forcément 10-10-10 en fait. Gueule. Pourquoi il était pas stacké avec les autres? Ou alors celle-là, 110-10-10? Non mais c'est impossible. C'est impossible parce que j'étais avant. Ah, ça en restait 10-10. Ok, donc en fait c'était encore pire que ce que je pensais. C'était encore pire que ce que je pensais. Ah, c'est la merde. Bon, et bien maintenant qu'on a 40-10-19, on va faire la technique du schnapps. Wait. Alors là par contre, si ça me sort pas une 10-10-10, hein, ça va me casser les couilles. Mais du coup la technique c'est quoi au final? Parce que le truc c'est que, imaginons que tu mettes que des 1-1-1 partout là. Tu les croises. Tu vas peut-être sortir par exemple une 3-3-3. On arrondit. Et tu vas en sortir qu'une en fait. C'est-à-dire qu'en gros faut en sortir 4-3-3-3 après avant de refaire un croisement en croix. Ah oui, non, la clipper, je suis con. Clip. Je zappe tout le temps. Ah, donc tu clips, tu fais vite fait pousser, tu clips. Hop, tu remachins. Ah oui, c'est plus rapide quand même. Ah, mais du coup, je devrais faire ça en fait plutôt que me faire chier à faire ces champs. Attendez, on va faire ça avec le flux. Avec la graine de flux qu'on a eu. Paf. Bah voilà. On a notre graine de Sartus déjà. Ça c'est cool. Bien celle-ci, hein. 10-10-10. Je la jette pas. Ok. Ok, ok, ok. Et du coup, il va me falloir un pôle de crops. Un pôle de crops. Il va me falloir un pôle de stick. Et il va me falloir des crops. On consomme à foison. Hein. Puis 1 au milieu, puis 4 au bout, puis 1 au milieu. Comment ça? Non mais je pense que le mieux en vrai c'est la technique de Alps. Hein. C'est là-dessus. Hein.
Après, en fait, l'avantage de faire ça comme ça, comme j'ai fait là avec le champ, le seul avantage c'est que bah. C'est. Si jamais tu viens de faire ta graine et que par exemple tu dois aller déco ou autre, tu la fous juste et puis comme ça quand tu reviens plus tard, t'as une graine qui est bien plus évoluée que si juste tu l'avais mis en croisement de par 4 quoi. C'est le seul avantage. C'est plus lent, mais par contre en mode AFK c'est plus pratique quoi. Ok. Et bien on va se mettre ça là. On va se mettre ça là. Et puis comme ça, moi ce qui est bien c'est qu'on verra si jamais il y a des endroits où ça pousse pas. Ce qui est certainement le cas. Hein. Je pense qu'il y a clairement des endroits où ça poussera pas, un petit peu comme là-bas. Mais bon. Je l'ai goûté, mais je suis lancé dans, dans un ressource pack qui remplace des fantômes par des chasseurs taille pour roi. Pour faire le modèle, j'ai découvert que Petit Fan permettait de faire des customs, donc je l'ai fait pour le bien. Et je découvre que les fantômes est genre le seul mob qu'il ne gère pas. Sérieux? Chez. Chez. Ok. Alors, la graine de flux. La graine de, la graine de flux, on va la laisser là, on va gérer tout le champ. Déjà. Déjà on va faire ça. Non, c'est terrible, en fait ce soir on a un record hein. Et j'ai complètement zappé Mox sur mon... Bah que déjà j'avais plus XSplit hein, parce que j'en avais marre de payer 25 boules là, tous les 3 mois pour un logiciel que j'utilise une fois par an. C'était chiant. Et le souci c'est du coup, bah, vu que je recordais qu'avec XSplit j'avais rien d'autre qui était config quoi. Ah, qu'est-ce que c'est la merde à config OBS pour avoir un truc... Parce qu'en fait le truc c'est que OBS... XSplit c'est simple, tu dis... Tu veux du 1080p 60fps, ça te chie du 1080p 60fps, t'as rien à config. T'as pas l'encodage à config, t'as pas tout ça quoi, c'est juste ça te le fait et puis voilà. Et ça le fait bien. XSplit, bon faut gérer l'encodage, faut gérer machin, faut gérer le bitrate, en plus si jamais faut mettre du buffering pour le bitrate parce que sinon ça t'encule ton processeur et ça fait de la merde. Et c'est un peu plus gourmand qu'XSplit quand même, genre pour le coup... Pour le coup, c'est un poil plus gourmand quoi. Mais bon. Vu que c'est du record en vanilla. Il y aura un truc qui a l'air de. C'est trop caille. Hein. Si tu regardes un plus près, on dirait qu'il prend aucun mob avant de ça. Après, il y a moyen en vrai. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça hein, qui prennent pas les dernières features. Soit parce que ça peut être update depuis, soit parce que le mec il a eu la. Parce que le mec il a eu la flemme ou. Pas le temps ou autre quoi, c'est pas encore def quoi. Par contre, tac, j'ai regardé la game de GUHC hier là, de qu'ils avaient fait là sur la map custom. Oh. Ça a l'air tellement le bordel hein. En vrai, ça a l'air tellement le bordel avec les bâtiments. En fait, ils se courent genre pendant 3-4 épisodes, ils se courent juste en rond autour des bâtiments quoi. Ou alors il se planque. C'est bien l'air le bordel. Hein. On a dit. Tac 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 tac. Ce sera le croisement. Pour l'instant, on va vite fait mettre notre petite graine ici. Ah, cette graine ne peut pas pousser. Regarde! Bien évidemment! En vrai, je décale la torche, c'est bon. J'y ai. Ah, c'est fertile. Ok! J'en ai fait du clip. Du. Oh, incroyable, yeah. Merci beaucoup Yerley. Merci beaucoup Yerley pour ton e-sub. Comment ça va? Ton deuxième mois. C'est les gens qu'on sub pour en rester des éléments ça, je reconnais. Alors par contre, est-ce que je vais me faire baiser si jamais il n'y a que la plante de gauche qui a poussé et que ça pop avant que les plantes de... les trois autres plantes aient poussé? De toute façon bugger comme ça, ça va pas pousser ailleurs en fait. Ah. Et ça va nickel hein. Ça va nickel, écoute. Casse le middle et puis ça se après. Non mais c'est bon, ça grandit. En vrai, vu que en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est un petit peu bugué parce que ça met du temps à s'update les plantes. Et après, dès que ça a compris qu'il y avait l'arrosoir, ça pousse d'un seul coup quoi.
Vu qu'elles ont été plantées en même temps presque, avec l'autre j'ai clippé. Ça plus ou moins pop en même temps quoi. Donc là normalement ça va me sortir, on va dire peut-être une 6-10-10 je pense. Je dois faire ça encore peut-être 2-3 fois après. Mais c'est plus rapide au final que là de refaire le champ. Par contre faut que ça pousse. Je veux bien faire des efforts mais c'est ok. Ça pousse à un moment. C'est une scène que ça pousse pas. Hein. C'est pareil, ça c'est full random. Hein. Ça peut pousser instant hein. Comme ça peut mettre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. C'est un peu plus rapide que le champ mais faut se concentrer. Ouais c'est ce que j'ai dit en fait. Le champ l'avantage c'est que tu le poses ta... tu mets tes crops, tu poses ta graine, tu vas te faire autre chose pendant ce temps là, tu reviens une demi-heure après, t'as ton champ. Peut-être un peu plus qu'une demi-heure. C'est de l'AFK en fait, tu vois. Ah bon. Là en fait, là aussi tu pourrais AFK, sauf qu'il faudrait venir check souvent. C'est vrai que ma vie c'est de la merde. Ouais. J'ai glissé en fait, et du coup ça a niqué la crops. Et du coup. T'as pas combiné les graines, t'as juste dupliqué les graines. Ce qui fait que ça fait que c'était instant. Le problème, c'est vu que je veux grid et pouvoir tout arroser en même temps, faut que je vise le bloc du milieu. J'ai un arrosoir de merde parce que j'ai pas encore fait d'autres arrosoirs parce que j'ai pas encore l'inferium. Bah, j'ai glissé et ça a touché le crops. Du coup, niqué. On recommence. Hein. Par contre, c'est terrible parce que. Quand j'utilise l'arrosoir pour faire les graines ou autre. Hein... Genre Wither Squelette, Inferium, ça c'était beaucoup plus rapide. Ou alors c'est peut-être le fait qu'on ait 4 graines qui peuvent pousser que sur un endroit. C'est peut-être ça qui fait que c'est long. Enfin. Je pense que c'est ça en fait. Hein. Parce que déjà quand je faisais sur une ligne, c'était long. Avec un endroit où pousser. Là il y a 4 graines qui ont que un endroit où pousser. Ah voilà! C'est ça qu'on veut! Bon déjà c'est pas impossible à faire. Déjà c'est réalisable. Long. Comment on est fixé, ça peut pousser sur ces tuteurs. Yes. Alors on m'a vendu un truc là. On m'a vendu un truc qui était fat. Pourquoi je passe d'une 489 à une 499? Je veux bien hein. J'ai l'impression d'être fait enculer quand même sur le deal hein. Moi on m'a vendu, c'était mieux. Voilà, c'est aussi naze. Je pense que j'ai juste pas eu de luck. Hein. Je pense que c'était unlucky de fou. C'est pas grave, on va retenter. Hein. Bon, ça. Poubelle. Poubelle, poubelle, poubelle. On va faire ça à côté de la lumière en vrai. Et là ça pousse instant, c'est du foutage de gueule. On me dire qu'en fait j'avais juste pas la luminosité nécessaire tout à l'heure. Non impossible. Mais non parce que ça a quand même poussé. Pourquoi ça pousse instant là? Je comprends rien à ce jeu. Au secours. Le pire c'est quand t'es en 19-10 et tu t'en chopes 4 ou 5 avec les mêmes stats quoi. Ouais bah c'est parce que ça m'a fait tout à l'heure, j'étais en 19-9. En 10-19. Bah, j'étais en 10-18, j'ai fait plusieurs croisements et ça a mis du temps à m'en sortir en 10-10 quoi. T'es page ou pas possible. Je peux. Écoute, on a 19,18. Non, là on est bien. D'ailleurs, c'est quoi qui fait laguer? Oui, il y a 150 dimensions. Mining World. Qui est pas mal. Ouais, il doit y avoir du chunk loading hein, dans le Mining World. Hein. Il doit y avoir des trucs Tomcraft, chunk load ou autre. Hein. Bon. On est sur du 4-9-9, qu'est-ce que ça va nous sortir? Si ça sort un 5-9-9 ou un truc comme ça, je vais racheter. Je vais refaire un champ, je vais laisser ça spread tout seul.
Ça a pas bougé, hein. Ça va. Ça va. Ça a gagné un partout. J'aurais préféré que ça gagne 3 dans le grove, c'est 0 ailleurs, mais ça gagne un partout. En fait, là, ce qui va être trop chiant, c'est qu'on est d'accord que ça va faire 5, 10, 10, 6, 10, 10, 7, 10, 10, etc. Non? Enfin, je sais pas si ça peut faire genre 2, 2. Ça peut passer de 2. Ok. Ça peut passer jusqu'à 4 ou pas vu qu'il y a 4 graines hein. Ça pousse instant, c'est magique ça. Ça peut balancer les 4 points dans une seule stat, mais c'est forcément ultra rare. Ouais, j'imagine bien. J'imagine bien. Ouais, ça m'a l'air mieux proche du gros cristal. Et de la... en vrai, je... c'est flou en demain. Ouais, c'est du flou en demain. Et en tout cas, ça se passe mieux depuis que je suis là. Puis tu as plus rien compliqué. Ok. Plus il y a de la lumière, plus ça pousse. T'as un faux chat ou c'est véridique? Genre c'est proportionnel à la luminosité la pousse d'une plante? Ou c'est juste ça pousse ou ça pousse pas? Un vote chat, ok. Soyez assez, soyez pas assez. Ouais d'accord. C'est comme un spawn de mob quoi. Genre... Dès que t'es en dessous de 7, enfin dès que t'es à partir de 7, t'as pas plus de chance d'avoir un mob qui spawn à 1 de light level, enfin à 0, que si t'étais à 6 quoi, pardon. Je sais pas s'il y a des choses qui sont influencées par le light level, genre en mode qui sont plus efficaces ou moins efficaces. Genre plus tu montes ou plus tu descends en light level. J'ai pas vu qu'il avait ban Blacky. Ah! Ouais, plus on monte, plus c'est rare. C'est niqué mon champ. Ça va, on est passé de 6-9-9 à 9-10-10. Enfin, de 6-10-10 à 9-10-10. En vrai, là, dernier coup, puis c'est réglé quoi. À moins que ça me fasse la même graine. C'est possible. Ça ferait chier. C'est possible. Crop, c'est à 25%. Look. Oui, non, mais en fait, les araignées sont influencées sur la société et tout ça, mais c'est pareil en fait, je veux dire. C'est soit t'es dedans, soit t'es pas dedans, tu vois. Ouais, mais il manque. Je pense que les chances augmentent avec la luminosité. Avec la baisse de luminosité, mais c'est une légende. Ah, je sais pas. Je sais pas. Bon, tu clips les graines, mais le fait dans le site d'analyseur, ça te les transforme en graines directement. Bah, en vrai, ça pour le coup, je m'en fiche parce que vu que je peux planter directement le sac, ça me change rien. Mais pour en revenir à l'éclairage, en fait, moi ce que je parlais. Reboot, c'est qu'en gros je parlais d'un truc qui par exemple fait que, je sais pas, imaginons que sur un bloc quand t'as 7 de light level, t'as 10% de chance que ça spawn, quand t'en as 6 t'as 15%, etc. etc. Tu vois. Je parlais d'un truc exponentiel en fonction du. Enfin, proportionnel à l'éclairage. Quelque chose qui marche plus ou moins bien. Pas qui marche ou qui marche pas, juste qui marche plus ou moins bien. Vous avez des chutes de météorites, Alps. Sur quoi vous avez des chutes de météorites? Ok.
Ah, sur Ragn. Oui. Sur FTP, vous avez chute de météorite? Sur Ragnamon? Mais genre sur un monde comme ça, genre là ici pour y avoir des chutes de météorites. Ah mais attends, chute de météorite, météorite d'Astral. C'est vrai que j'en ai pas eu moi. J'en ai vu dans le Banning World. Les comètes Astral, j'en ai. Mais je pense qu'elles sont désactivées en fait nous dans l'Overworld. Elles ont dû être désactivées Ben, je pense, j'en sais rien. J'en sais rien. Pour le coup, et dans le Manning War, j'en ai eu plein de fois. Ouais, quand je dis ça, mais je crois que j'en ai déjà vu aussi dans l'Overworld, mais genre lointaine quoi. J'ai un doute si j'en ai déjà vu dans la base, genre au tout début du modpack. Genre les premiers jours, je crois que j'en avais vu. Quand j'avais fait moi une. Ah, je sais pas. Ça me dit quelque chose en fait d'être sur ma petite île et de voir des comètes au loin. Ça me dit quelque chose. En même temps, depuis j'en ai jamais revu. Bon, j'ai pas cherché en revoir, tu me diras, mais. Je suis plus en train de regarder mes champs qu'en train de regarder le ciel. Ouais, non, je sais pas. Faudrait que je check la nuit. J'en ai un qui a tapé le toit de la cathédrale, failli toucher la tuerie de Draco, quoi. On va faire dans l'autre sens. Paf! Voilà. Pour l'instant, il y a tout qui peut pousser. Bon, on va l'air plus ou moins pas mal. Encore une fois, je pense que ça va être ici que ça va merdouiller. Hein. Genre là, par là, il y a moyen que ça merdouille. Il n'y a pas moyen de torcher en plein milieu. C'est pour ça que j'ai mis des glowstones aussi. Hein. Au final, ça merdait par là. Parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Enfin, ça merdait surtout par là. Il n'y a pas d'éclairage à proximité. Donc, du coup, j'ai mis des glowstones. Je me suis dit que ça serait pareil pour ce champ là, donc j'ai mis deux blocs. Voilà, voilà. Alors, c'est pas ça que je veux. Vite. Tombe. Envie d'apply. Je préfère secure le truc avant d'apply. Ah. Merde. Oh le con. Enfin, à changer. Ah ouais. Ah, mais je crois que j'ai tout qui est lock. Donc, du coup, forcément, on peut pas rentrer. Parce que je voulais pas me faire en niquer et avoir cette merde partout. Parce que normalement c'est plus possible de l'avoir partout cette merde. Hein. Parce que là j'ai mis une void upgrade là-dessus. Est-ce que si jamais je déloque le reste, ça va quand même venir dans la void upgrade ou ça va se mettre ailleurs? Ouais, faudrait que je fasse un test, mais si je fais un test ça va tout. Ouais non, ça va se faire trop vite. On va faire la mano. La mano, essaye. Non, 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 ouais. Ça m'a assez gonflé la dernière fois. De toute façon, le farmer est en off le temps que le champ se spread. Si c'est pareil, mais on va, du coup, on va faire la même chose. Tac, c'est à tous. J'y pense. En fait, t'as aucun moyen d'automatiser une production de charged. Hormis le fait d'avoir des miners. Sinon tu fais un input et un output sur un chargeur, mais c'est dégueulasse quoi. Je te dise. Je sais pas si t'as moyen de charger du Certus quoi. Enfin, sinon. Ah, y'a un Energetic Infuser.
Sans déconner. Et bon, on fera ça. Et bon, on fera ça. Parce que c'est 10 fois mieux. Et ouais, bien. Comment ça va? Chevalier soir. Non, chevalier pas avant vendredi. Ah ouais. Non, ce soir, demain soir, c'est record. Mercredi, jeudi, je crois que c'est l'Alpha Stellario pour les zinzins. Et du coup, bah, pas avant vendredi. Donc, disais-je. S'ils servent tous. En hall. Je crois que je vais mettre en int. Je crois qu'on peut faire des blocs aussi avec ça. Hein. Alors, on peut faire des blocs de Certus comme ça. On peut faire les gros. Au mieux que je stocke en gros, non. De toute façon, je peux la transformer après. Donc, à faire autant les stocker par 4. Hein. Enfin, par 9. Ça change rien. Ça change que là, on peut faire des presses avec. Mais sinon, hormis ça, on peut rien faire d'intéressant. Donc, autant les stocker par 9. Des fuck. Ok. Et là on peut apply tranquillement, et ça va le truc. Ça va le sortir là-dedans. Non, non. Pareil, il va falloir faire la mano. Et bon, c'est un petit peu un setup dégueulasse, si je puis dire. C'est pas grave. Après, il me reste plus qu'à faire en fait des autographes là-dedans. Par exemple. Et avec. Ah oui, c'est vrai que c'est pas d'applied ce truc de merde. Blockline n'est pas d'applied. De Jaopka. Alors que l'autre bloc, normalement il est d'applied. Wait. Ah, il est d'applied. Mais d'habitude, non. En plus, je crois que je suis sûr que ce bloc là, théoriquement, tu ne peux pas le retransformer après. Je sais qu'il y avait une couille comme ça sur un des quartz. Je sais pas si c'est sur celui-là ou sur un autre. Attends, un rhume va bien. You work in progress. De quoi les screens? Il a été censuré son lien. Et moi j'ai même pas vu le message de censure en fait. Moi j'ai juste vu 3 étoiles. J'ai même pas, j'ai rien vu en fait. J'ai juste 3 étoiles en fait. Ils ont juste ajouté les crafts. Ouais, mais. J'ai un doute en fait si c'était si c'est bien et bien ça ou si juste c'est moi qui ai fumé du mauvais shit. Hein. Il me fait des idées. Et je vois pas que tu puisses mettre des screens dans le chat, non? On peut mettre des screens. Enfin, à moins d'envoyer un lien d'un uploader, tu vois. Non, tu peux mettre deux screens dans le chat. Au final, cette graine-là, j'aurais pu la monter. De la même façon que l'autre. Bon, c'est pas grave, le champ est déjà lancé, de toute façon, donc. Enfin, un lien, quoi. Ouais, non, mais. Ça pousse, ici, ça. Il y en a une qui a poussé, 2, 3. Ah, oh, ça fout le pouce. Ça fout le pouce partout. C'est bon en fait. Regardez comment ça va vite. Bon, ça, je suis un peu un connard hein, parce que là en vrai je prends le clipper et puis c'est réglé. Hein. En vrai. Que maintenant il est sur du 10-10-10 hein, et que je veux juste avoir du 10-10-10 partout. Juste à prendre mon petit clipper, à clipper 2-3 graines. Ah, il y a un spot hein. Je peux pas pousser. Un fucking spot. Non, pas bien plus.
faudrait deux torches là. En vrai, c'est moins casse-couille de mettre une glowstone. Hein. Ok, je vous le dis. Honnêtement. Ok, il va falloir la glowstone. Non, ou alors sinon, faut que je mette une torche chaque bloc et ça va être trop chiant. Bon, bah, parfait. Et. Donc, on a dit qu'il nous fallait de la glowy. Petite glowstone. Ouais. Ah, mais. Et là, théoriquement, par contre. Hein. Ouais, y'a plus aucun, plan qui me dit que c'est pas fertile, que ça peut pas grandir. Hein. Y'a tout qui est bien fertile. Tout qui peut pousser sans aucun souci. Et on a bien tous les plans qui sont installés. Bon, bah parfait, on pourra lancer le farmer. Paf! Alors, est-ce qu'ici aussi on va avoir besoin d'une upgrade hein, sur l'item conduct hein. Je pense que déjà il faudrait juste l'activer avant de vouloir mettre une upgrade. Hein. Pour aider. Après, là c'est normal qu'en soit ça soit bourré. Et c'est normal hein, que ça soit full rempli. C'est juste que tout le champ était plein. Donc, à voir à terme si jamais. Si jamais il y a besoin quoi. Ouais, pire, si t'as une image à envoyer, t'envoies ça sur Discord à n'importe qui ou n'importe où Discord, et puis après tu copies le lien de l'image que t'as envoyé, et puis voilà. Tant pis, avoir accès. What the fuck? Pourquoi ça m'a lancé une vidéo? Quoi de connerie? Allez, sur Discord, je sais pour faire. Où mon Discord? Alps the Unicorn. Début de décoration Advanced Rocketry sur. Oh! Ah ouais, mais moi j'ai pas ça moi. On n'a pas le time, hein. On n'a pas le même time. Hein. Genre. Moi je suis là, je fais des sphères avec un building guide. Hein. Et là ils font des vraies bases. Hein. Ah, ça doit être tellement stylé. En vrai, ça doit être tellement stylé de jouer dans une vraie base comme ça en modé. Ça doit être tellement plus RP. Dans une putain de sphère avec des champs. Ouais, ça a quand même pas l'air de suivre. Hein. Je pense on va quand même se mettre une petite upgrade ou deux. Ouais, rien que deux. Ça devrait grave faire le taf. Juste faire rajouter 8 items hein, à chaque fois. Ça va vachement aider. Comment ça, ça aide pas? Pourquoi il est au. Ah, le shift click il marche pas hein, dans ces machines, hein. Ça c'est terrible. Ah, ok, ok. J'ai rajouté deux upgrades. C'est bon! En même temps, ça fait x3. Hein. Parce qu'à la base, on retirait 4 items à la fois. Là, on en retire 12. Forcément, ça aide. Hein. Forcément, ça aide. Et encore, quoique. Il y a quand même des essences qui arrivent à venir en masse. Hein. Ça pousse ultra vite. Hein. Ultra vite. Grain 10-10 avec le gros cristal là. Mais c'est bon, au moins ça se vide. Au moins ça s'est full vidé donc ça c'est cool. Bah le flux c'est pareil, le flux on pourra le lancer. On pourra juste clipper là les graines qu'il y a actuellement. On pourrait pas assez pour tout le champ. Mais en vrai, rien que le temps que je plante tout ce que j'ai, ça va déjà repousser. Que la zone avancée de Rocketry, on fait ça pour tous les modes donc ça prend un peu de temps, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais c'est ça qui est stylé en vrai. C'est ça qui est stylé. J'ai plus ce que j'avais fait. J'ai fait une fois l'avancée de Rocketry, c'était sur FTB Continuum et on avait fait. De la merde. On avait fait quoi, Blacky? On avait rien fait, nous. On avait fait juste un trou. On avait fait un trou en cercle avec un dôme après au-dessus. Je savais même pourquoi on avait fait ça. Ah, on avait fait ça parce que notre base était sous terre. Et du coup, on voulait un couloir depuis la base. Et le problème, c'est que bah vu que le couloir était sous terre, il fallait faire un trou quoi. Putain, oh les clodos quoi. Les clodos. Mais c'est sur FTP ça ou c'est sur un. Non, ça c'est une partie avec. C'est pas avec quoi ça, si? Je sais pas. T'as montré Alps.
quelques soucis d'éclairage, hein. On est sur le serve privé d'ML2G. Ah, ok. Ça roule. Ah, mais du coup, il y a le serve UTP et il y a le serve privé. Où c'est que ça merde, moi? Ouais, après, si ça merdouille, c'est parce que. J'ai l'autre jour une torche ici. Cannot grow. Celle-là, elle est gérable grâce à la Ghost. Bon, si c'est la seule, je vais me démerder. Et comment ça, ça peut pas pousser ici? Il y a une torche à deux blocs! Déconner. Mais c'est un sketch. Bah, nique. Nique. Vraiment, mettre des torches partout, hein. C'est petite, ces plantes, hein. Ok. Et du coup. J'ai niqué un plan. Chiant. Fertile, fertile, fertile. Tout est fertile. Ouais, donc en fait, faut quand même bel et bien que je mette les glowstone pour être parti par là. Et le reste, bah, c'est juste des torches. C'est juste, faut que je torche un petit peu partout. Histoire que ça pousse! Et c'est pour ça qu'en vrai, en fait, faut à chaque fois que je vérifie les champs avant de les lancer avec le farmer. Parce que le truc, c'est qu'une fois que le farmer est parti, tu peux pas vraiment vérifier s'il y a des plantes. Enfin, c'est compliqué de vérifier à moins de les check une par une, quoi. Là encore, tu vois, si jamais je voyais qu'il y avait une seule plante qui était pas poussée, je me dis, bon, bah, celle-là va pas pousser, faut lui mettre de la lumière. Le farmer, il est pas encore en train de tourner, quoi. Là-bas, le farmer il tourne, donc c'est normal que les plantes soient pas poussées, quoi. On a combien de Nether Star depuis? Nether Star. D'ailleurs, wait. J'ai farmé pour faire des nouveaux blocs. Je les ai pas posés. Ah non, parce qu'il manquait l'Inferium. Par contre, on a 4 milliards de Nether Star, c'est ça là? 3282. Et je peux en faire quoi des Nether Star? Parce que je les accumule, mais je vais en faire quoi? Ah, de l'Aricia, ouais. J'ai le temps. Bon, il m'en faudra un petit peu pour l'arc. Oh, mais ça. Ah, structure frame TR5 déjà. Ouais, why not? Si jamais je veux faire des solar panels. Parce que là, je voulais faire des solar panels. Et je me rends compte. J'ai ce qu'il faut pour les faire. Panel. Parce que si je veux faire des solar panels TR5, le TR6 ils rentreront pas dans une sphère. Non, c'est bel et bien là. Vous savez. On peut plus circuler avec ce truc. Il va falloir de la unit. Ah, et puis le souci c'est que j'ai que un stack de unit. Comment ça? Ah, là j'en ai eu deux parce que ça a réussi à se fuiter. Un et demi. Beaucoup trop de merde, hein. En vrai il me faudrait une crate tier 2. Il me faudrait un plus gros stockage ou un truc qui arrive sous. Je pense qu'on va changer. Surtout que bon. En vrai. Là j'ai des trucs qui arrivent tout là. Ils ne servent plus à rien parce que j'en ai un applied. Tout ça, je peux le mettre dans un applied. Ça va un poil flou de mes disquettes. Et je peux le mettre dans un applied. C'est pas grave. J'ai de la place. J'ai 8 disquettes là qui servent à rien. Donc autant les remplir un petit peu. Ça me fait économiser un crafter tier 3. Ici, c'est pareil. Bon, celui-là, par contre, je promets pas de tout mettre. Celui-là. On va refaire un trip. En vrai, ouais, en vrai, il y a pas mal de trucs que je pourrais prendre. Il y a beaucoup de trucs que je pourrais jeter. Je pense que je pourrais prendre la plupart des trucs. Hein. LTU Draco, il doit être méga long à remplir. Hein. C'est insane. Hein. Là c'est par un pulvériseur et un four pour les minerais. Le truc c'est que j'ai pas envie de stocker. En fait le truc c'est que là les miners, j'ai pas envie de les stocker pour l'instant dans un applied parce que ça va trop me remplir applied. Voilà, il me faudrait encore tout un. En fait, c'est ça, faut passer par un stockage externe sinon ça trouve. À moins d'avoir des disquettes de malade que j'aurai par la suite. Les miners seront link une fois que j'aurai des disquettes de malade. Mais avant ça sert à rien.
D'ailleurs, ouais, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de merde maintenant. Et de là. Pas qu'une impression. Hein. Plus en plus de choses dedans. Hein. Bon, il me reste quand même, quoi qu'il arrive, 7 disquettes et demi quoi, à remplir. Ça fait pas mal d'items différents que je peux mettre dedans. Donc ça va. Bref. Le crafter là je l'ai pas mis en mode fast. En mode fast aussi hein. Ouais. Ok, ils sont tous en mode fast. Enfin du moins que je l'utilise. Ok ok. Ah parfait. Hey, mais attends. Zoom. Salut Loïc, comment ça va? Comment ça va? Mais écoutez, on va vider ça. On va vider ça, on va mettre ça dans la plaid. Je sais pas si j'ai moyen de tout vider d'un coup. Non, tu veux pas mettre juste une carte. La carte là, tu veux pas la prendre et clic droit sur quelque chose et tout vider. Ouais, parce que là j'ai quand même 170 stacks hein, d'items alors. En vrai, tout le charbon, j'aurais tellement de légèreté. Bon, attendez. Il y a plein de trucs que je peux jeter parce que j'ai des poulets qui me donnent déjà ça en stockage infini presque. D'accord que l'électrum on en a masse hein. Ouais l'électrum on en a masse. Flint on en a masse. C'est que j'ai juste tout jeté. Juste tout jeté parce que c'est que les trucs qu'on a un foison. Vérifie quand même ce que c'est hein, mais. Ça fait chier de jeter de l'empower d'Amatine mais pas le choix. Pas le choix. Un coffre à côté. Non, moi, pire en fait, les gars, je peux le déplacer et le foutre là-bas, hein. C'est pas un souci. Ah, c'est pas un problème. C'est juste que les ressources dedans vont juste me floutent des disquettes. Alors que j'ai les ressources en infini ailleurs qui sont stockées en dehors d'Applied. C'est le souci en fait. Là, j'ai rien d'important en hein, tout ça quoi. Même l'iridium, hein. J'ai un poulet d'iridium alors. Je peux me prendre la tête avec des ressources dont j'ai pas besoin. Les seules choses que je pourrais garder, bah c'est un petit peu les trucs genre mix metal ingot, tout ça. Mais ça en vrai, au pire, je me dis que je vais les garder là-dedans. Genre mélodique, je prends. Pyrite, je prends. Lithium, magnésium, je garde. Ça par exemple, les poulets, t'en donnes pas. Bon. Il y a 2-3 trucs qu'il faut que je garde en fait, que les poulets pourront pas me donner. Mal au cul de jeter tout ça. Ça fait mal au cul. Bon, de charbon pulvérisé, j'aurais peut-être dû le garder. C'est joli pour le coup. Les poulets ils te donnent pas pulvérisé directement le charbon. Bon ça. Signalum, il y a des poulets hein. Oui. Uranium, il y a des poulets, Ripan, il y a des poulets, tout ça il y a des poulets, le Stud, il y a des poulets. La Skystone. J'ai une graine si jamais j'en ai besoin. Titanium et les poulets aussi, en fait. Je suis pas en train de jeter, putain, j'ai un connard. Bon, c'est pas grave, il y aura 2-3 petits trucs. Est-ce qu'on peut check? Check ce qui est dans un plaid et pas dans les disquettes, non. Pardon. Ok.
Ok. Déjà, on a un stockage qu'on peut mettre à la place d'une des merdes ici. Si, c'est que ces merdes là aussi, il va falloir que je les vide. Un autre souci. On va aller juste prendre les cristaux, on va acheter tout le reste. Genre, on va se prendre la tête. Prendre ces cristaux là, on va acheter tout le reste. Comme à chaque fois finalement. Le Certus. Peut-être garder le Certus chargé. Si on a. Et pour. Il y en a. Ok. Bif. Prends une disquette, tu la mets dans un coffre émeu et tu regardes ce qu'il y a dedans. Ouais. Après, si tu fais une disquette par disquette. De faire ça à chaque fois. En même temps, je peux pas les links sur Applied en mode genre. C'est. Je peux pas. Ça va remplir. On voit la vitesse. Ça mine plus d'un minerai par seconde. Ça va remplir trop vite Applied. C'est pas possible. Salut Star Geek! Comment que ça va bien? Comment que ça va bien? Je sais plus si j'avais dit d'ailleurs, j'ai mis sous le live maintenant il y a le classement. Alors avant il y avait sous le live, il y a une petite extension qui montrait le classement et tout ça pour les mois d'affilée, pour les subs, pour le nombre de bits donnés, etc., etc. Maintenant il y a une extension qui affiche aussi un classement pour le sub gifting. Oh, ça cool. Ça va nickel, Mr. Geek. Hop. Non, tu mets une trash can à un item translocator pour vider plus vite. Y'en a qui sont pas cons. Y'en a qui sont pas cons. Top 2, yes. Yes, yes, yes. Là-dedans, en fait, l'avantage de cette machine là, de ce stockage, c'est qu'on aura un peu plus de stockage qu'ici. Là, on a 300 slots. Et ici, on avait. C'est du 9 par 9 à gauche. Du 9 par 12, un truc comme ça, je crois. 13 par 9. Ouais. Ça veut dire qu'on a 3 fois plus de stockage. Un peu moins de 3 fois plus de stockage avec modular storage. Il y a un autre grade pour les 100 subs. Badge, je crois, ouais. Je crois que tu dois avoir pour les 100 et 250, 500, 1000, 5000, 10000. Non, c'est si, je crois. Je sais pas si on peut voir les badges. Twitch. Sub gifting. Badge. Voir ça. S'il y a un peu de drop, c'est normal. Je suis sur internet. Il y a 2-3 images que vous parlez sur le live, c'est normal. Il y a mes 300 ans s'afficher. T'as pour 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 et 1000. Et t'as pas au-dessus de 1000. Attends, je sais pas s'il y a des gens qui ont fait. Si, il y a des gens. Si, j'ai vu des gens sur des chats qui étaient à Wattmir. Je crois que le plus gros que j'ai vu, c'est à 3000 et quelques subgifts. Mais what the fuck. Le mec il a balancé un an de SMIC. Le mec il a balancé un an de SMIC en subgift. Bon tu me diras, il y en a qui gagnent un an de SMIC en main de blackjack sur un casino en ligne. Alors tu sais, à partir de là, je suis plus étonné de rien. Plus rien ne m'étonne sur internet. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire que vous voulez une trash can pour vider les autres trucs. Alors déjà, une translocator, n'est plus. C'est vrai qu'il faut des pistons. Hein. Il faut des pistounes. F. Ok. Et il me faudra des chests. Hein. Je sais pas si j'ai encore des chests en rab. Y'a plus de chest en rab. T'as quoi? De toute façon. En fait, quand t'as une infinité de bois, le coffre t'en craft par 100, quoi. Au final, tu te fais plus chier après. Ok. Bah, nickel, hein. Shift-click plus start. Hein. Shift-click.
Ah, quand tu shift-cliques, ça va te crafter l'item qu'il te faut pour ensuite le remplir et mettre là-dedans? Non, me dis pas que ça existe vraiment ça. Attends. Ah! Merci beaucoup Mister Geek pour les 17 gifts. Merci beaucoup et bienvenue à Darkmine, à Pitrol, à Wack, à Nick, à Benjad, à Mark Astor, à Puchenik, Inferno Arc, Little et Yoshipam. Il y a Little qui s'est fait. Non, Little s'est fait sub gift. Comment Little a pu se faire sub gift alors que Little il a sub gift personne? Genre Little. Little il a sub gift plein de personnes, il a balancé des bits, mais il est pas sub. C'est pas un peu paradoxal ça. Le sub-gifter gifté quoi. Sans déconner. Sans déconner. Attendez. Installer le setup. Hein. Pas comme ça. Ça marchera pas. Installer le setup comme ça. Et juste avant, on va prendre les cristaux qui t'intéressent, bien évidemment. Ça doit dire plus ou moins tous les cristaux. En fait, même de la littérite et tout ça, il m'en falloir masse. Pourquoi? Parce que. J'avais pas de la lance d'Aléite. J'avais pas dans le miner avant, genre. Oh, j'ai dû l'acheter. Et il devait y en avoir, j'ai dû l'acheter. J'ai pas dû faire attention, j'oublie tout le temps de la prendre. Pas la fin du monde, mais c'est chiant. Il va me falloir des modifiers pour me mettre sur leur panel. Ouais. Et du coup, je disais, la littérite, il m'en faudra de toute façon, parce que vu que je dois faire la solar panel, il va me falloir masse littérite, je crois. Bah, ne serait-ce que pour faire toutes les sculptures. Et je sais plus s'il en faut aussi pour faire. Attendez. Wait. Le temps que j'écrive. T'as dit moi je peux faire un peu de pub pour mon serveur Discord. C'est bon. Alors soit tu l'as déjà fait. C'est bon. Ouais c'est ça, il faut masse littérite parce qu'en fait il va me falloir. Pour une scène il faut 3 littérites. Déjà. Et puis importe le tiers, parce que même si moi je veux faire par exemple un solar panel full AFM, commencer par full unit, faut pas déconner. Et ben il va me falloir 3 littérites par cell. Et vu que je veux faire 4 solar panel, après par contre je crois que pour les lunar cell, parce que je veux faire les deux, pour faire joli, lunar cell il faut pas. Et Twitch je demande Abou à moi, Abou de level 3. Hein, de quoi? Oui, la sub en level 3 mais ça n'a rien indiqué. Genre. Ah si, il faut de l'éthérite pour les lunar cell. Il faut que j'aille vérifier un truc parce que... On est d'accord que... Est-ce qu'on sait y avoir plusieurs pages pour ça? Ah si. Normalement c'est exactement le même pattern de truc que ça. Car si jamais je veux faire un linar tier 5, c'est U13 par 2 par 13, sauf que au lieu des 120 cells en unit que je mette, ça sera 120 cells en machin. Je pense. Je crois que c'est exactement la même chose. Le contrôleur je crois qu'il est différent aussi. C'est ça. T'as le contrôleur qui est différent. Et les salles. Oh, c'est pareil. Ah, quoi? Oh! Tu me tues la cake, ton émote. Hein. Merci beaucoup, Mister Geek. Voilà, maintenant j'ai les 100. Il est tellement stylé le badge en vrai. Il est tellement plus stylé que le badge des 50 qui est tout rose, tout dégueulasse. Merci beaucoup Mister Geek pour les 100 subgifts au total et pour ces 10 nouveaux subgifts. Gros merci à toi pour ton soutien. Énorme merci à toi pour ta générosité. Et du coup bienvenue à Arak, à Makura, à Emily, à Zia, à Kiki, à Banakmael, à Big City Live, à Arcanox, Monta Magic et Nort. Et les pseudos, les gars, il y a des trucs, c'est pas logique. Hein. Les syllabes parfois, il faut respecter une certaine règle dans vos syllabes. Hein. Kevin Sponda, bienvenue à vous.
Bienvenue à vous. Beaucoup de gens sont en sub, c'est chelou ton live. Comment ça? Comment ça? Ça y est, en vrai, au final, je pourrais passer au chat en sub mode, ça changerait rien. Ça changerait rien. Eh, je pensais, vous savez, je suis censé faire un stream en cosplay pastèque. Hein. Je serais pas un stream piano en cosplay pastèque. Je sais pas si c'est jouable de faire le live cosplay. Glowstone en fait, parce que là c'est moulu. Je sais même pas si ça. Et à aucun moment ça vide en fait. Oh. On est d'accord. Yeah. HL a fait un abonnement de niveau 1 à Alps. Merci HL pour ce. C'est ouais, c'est ton premier sub gift, je me disais. Merci beaucoup HL. Attends, c'est moi, il n'y a plus de boss. Ah, mais il n'y a plus rien à l'écran parce que j'avais tout caché. Pour le record. Mais il n'y a plus rien depuis tout à l'heure. Ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a personne qui m'a dit qu'il n'y a plus de boss, il n'y a plus tout ça en fait. On a battu les couilles. Parce que du coup, le boss en à droite, c'est exactement le même que depuis le début du live. Hein. Merde. Bon, et eh bien c'est pas grave. On va dire qu'il a bubule. Boss a bubule PDF. Ouais, parce qu'en fait le truc c'est vu que ce soir je faisais mes réglages pour stream. En plus d'ailleurs c'était complètement con parce que j'ai fait une nouvelle scène. Il faut une trashcan chest, hein. Ça marchera pas. Je pense que ça peut pas put sur une trashcan normale. Je pense qu'il lui faut un inventaire, je sais pas. Je vais l'upgrade différentes chests, on verra bien. Salut Lily, comment ça va? Comment ça va? Et du coup, ouais, t'as sub tier 3 aussi. Il y a pas eu de oh, truc. Oh yeah. Si, je pourrais pas parler moi. Bah maintenant tu vas parler. Merci beaucoup Mister Geek pour ce nouveau sub gift encore une fois. Harry Boots. Ah, ça par contre je prends. J'ai mis de la glowstone? J'ai pas mis de glowstone. L'aberration du truc. Ouais. Juste t'as eu tel câble. Ah c'est tellement débile. En vrai je pense que c'est le meilleur transfert d'item possible hein. Ça. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse rivaliser avec un item translocator. Honnêtement. Je sais pas s'il y a des y a d'autres modes avec des items full. Les AP que ça vidait pas tant qu'il y avait pas de nouveaux items. Ah. Apply, ça transfère plus vite, je pense. Genre un import boss full speed upgrade, ça transfère plus vite. Je sais pas, j'ai fait longtemps que j'ai pas utilisé, donc je ne saurais dire. Alors, juste avant d'ouvrir, on va faire pareil, on va prendre nos petits cristaux qui nous intéressent. Parce que sans la ionite, bah, on va pas faire grand chose, on va pas pouvoir faire de solar panel tier 5. Hein. Donc bon. Puis la lance d'Aleïde sert à faire les modifiers, donc on va le prendre aussi. C'est tellement buggé quand tu veux faire les tri dans une storage crate. C'est dégueulasse. Certus, y'a pas une charged? Un peu de charged Certus? Non, y'a pas? Si y'a. Là il passe tech sur les pianos, c'est non, les viewers de la Cité des éléments ont pas signé pour ça. Comment ça? Vous avez signé pour avoir un live en cosplay pastèque. J'ai pas dit sur quoi je faisais de l'ail en cosplay pastèque. Pique monnaie pour trier. Ouais, c'est ce que je fais, hein. C'est juste codé avec le cul. Enfin, c'est pas que c'est codé avec le cul, c'est je pense quand t'as un trop gros nombre d'items à trier, ça trie bien le début. Et après, ça part un petit peu en couille. Parce que ça lag un petit peu. Je viens de jeter les cristaux, je t'ai pas mis dans la plaine.
Ah, trop tard. Ils ont été remplacés. Ah, mais faut se dire que maintenant, avec un stockage plus grand, on aura plus de cristaux. Un mal pour un bien. Un mal qui aurait jamais dû arriver, mais c'est un mal pour un bien. Ah, et comment tu fais pour vider une trash truc là? Vas-y, je veux de la cobble. On va la mettre à la place d'autre. Ok. Ok. On va quand même garder tout ça. On va garder les crates, hein, c'est utile mine de rien. Pourquoi j'ai tout ça? Et putain. Ah, je m'embrouille. Je m'emmêle les pinceaux. Qu'est-ce que j'ai dit pour le faire? Si tu le mets à la place de la glowstone, c'est rip le serveur. Ça, tu peux mettre de la glowstone à la place du fer là sur l'item 314? Pourquoi pas? Si? Non. Pourquoi pas? J'en sais rien. Je connais pas. Et c'est la deuxième fois que j'utilise l'item 314 moi. Hein. Bah, c'est pas ce que j'utilise le plus. Hein. C'est vrai que j'ai encore des questions qui traînent aussi. Niveau soccer, du coup, ça fait quoi le fait? Ah, bah non, c'est vrai que j'avais rien input. En mode, qu'est-ce que ça fait de nouveau? Mais j'ai rien mis de nouveau dedans donc. Bon. Je pense que je vais pas me faire chier, je vais en crafter. Je vais juste recrafter les trucs en fait. On va recrafter. C'était quoi? C'était un modular storage, c'est ça? Ça marche pas ton truc du clic droit là, hein, shift click. Je sais pas si c'est pour ça que tu parlais mais il y a des fils dans les 314, une liste blanche d'un côté et une liste noire de l'autre. Ok. Encore ça. Et du coup, il y a une fois des cartes. Pour ça, il y a une fois des cartes. Et bon, c'est pas saccable, c'est pour de vrai. C'est vrai que vu que maintenant j'ai tout qui est stocké en bloc, c'est beaucoup trop pratique en fait. Parce que ça, je me souvenais que quand je voulais faire plusieurs stockages, c'était chiant parce qu'il fallait que je mette les lingots en bloc. Et là, j'ai les lingots qui sont directement stockés en bloc. Enfin, ils sont distingués en nuggets ou en lingots normaux quoi. Et dans les compacting drawers, j'ai 3 idées. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Tac. Voilà. Alors. Parfait. Parfait, parfait. On a plus qu'à attendre que ça produise des ressources maintenant, hein, de toute façon. A changé, en vrai ça a déjà fait 92 de stack, enfin 92 stack, 92 de slot d'items, et c'est que des items différents. Là c'est même pas ça a fini un stack d'un item, ça en a fait un autre, non non, là c'est 92 items différents. Dites-vous que sur une crate où t'as 130 slots, bah t'es vite niqué. T'as même pas 130 slots, t'as 121 slots. Salut Landé, comment ça va? Comment ça va, comment ça va? Bon bah ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Il y a les poulets aussi qu'il faudrait que je remette là. J'y pense. Parce qu'on les a pas check depuis aujourd'hui. Enfin depuis hier. Pas bougé. Pas bougé, ils ont pas bougé. Là on a les poulets draconium full. Ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et je vais pouvoir lancer au final je pourrais lancer le croisement contre Nord-Perle. Et je crois que c'est le dernier croisement dans Nord-Perle. J'avais mis au milieu. Normalement
ça ici on l'a. Ah non, il manquait le terra. Ah non, mais le terra si je l'ai fait. Terracile, j'ai fait, ouais. Ok. Il y a un truc après le terracile ? Il y a l'élémentium, je crois. Bingo. Mais écoutez. Il y a du terracile à la place de draconium. Hein. C'est un plus bon. Ah, ou alors j'aurais peut-être dû mettre. Non, on mettra le net draconium après. De toute façon, j'ai d'autres slots. Hein. Faire d'autres poulets donc. Ouais, j'ai d'autres poulets. Pas de quoi les mettre. Ça y a besoin d'être croisement ? Non. Bon. Ouais, t'as de la place. Le Redstone Crystal il me servira pas beaucoup de poison encore donc on va le mettre. Paf. Pour annuler sa réunion à l'université donc bien. Nice. Enfin nice. C'est nice sans être nice parce qu'en vrai t'en as besoin des cours. Mais en même temps t'es content de pas les avoir tu vois. Tac. Elle est pas fini. Celui-ci il est fini. Oui. Oui, oui. Il est bien fini. Ah, enfin. Tungsten. Tungsten steel. Hein. Il faut que j'aille chercher les trucs de steel en bas. Comme ça on finit les derniers croisements des poulets. Enfin, on finit. On essaie de finir les derniers croisements des poulets. Je crois qu'il m'en manquera quand même 2-3. Je ne pourrais pas faire malheureusement. Où c'est que j'ai. Je viens d'un petit coup de time bottle hein, quand même là-dessus. C'est combien de temps? 8h56 hein. Royce. Alors ça je le mettrai en bas après. Attendez. Ça c'est soit arrangé en bas. Pour un blé infini tu peux prendre un poulet à poudre d'os. C'est une graine avec une boucle de redstone hein. Bon sinon tu veux juste un champ de blé. Sinon tu fais juste un chamblé et tu récoltes de temps en temps quand t'en as besoin quoi. Ça marche aussi. Perido. Check tous ceux qui peuvent avoir un croisement après. Pour le Magical Wood, faudrait que je le mette. Hein. L'Iridium, il y a aussi un croisement. En gros, il faudrait que je mette Magical Wood, Iridium. En même temps, j'en avoir d'autres derrière qui vont sortir en fait. Par exemple, là, vous voyez, j'ai le Tungsten Steel. Avec une Draconium. Après, le Tungsten Steel, il a autant de priorité que. Bah, tous les autres qui n'ont pas de croisement après quoi. Alors, le Wakened Draconium, c'est pareil. Mais le Wakened Draconium, j'aimerais bien le faire le plus tôt possible pour avoir le plus de Wakened Draconium assez vite. Hein. Pour faire après le stockage Draconic Evolution. Même pas le temps. Ah, il me manque un. Ouais, bah, nique. Hein. Quand c'est comme ça, j'ai juste la flemme de faire le dernier. Faut le cacher. Tac. Ok. Ouais, en fait, tu peux la retirer. Pourquoi je les ai laissés? Ok. Bon, bah, Draconium, il n'y a plus de croisement. Thunderpearl, il n'y a plus de croisement. Le Steel, bah, il n'y a plus de croisement. Tungsten Steel, c'est. Enfin, Tungsten, c'est pareil. Donc, en fait, tout cela, je peux les ranger. On va les ranger maintenant. Pas fini le dernier, mais on va les ranger maintenant. Parfait. Eh mais c'est vrai que ah, j'en ai mis plein de nouveaux mais j'ai pas pris leur un truc. Et du coup il faut que j'en mette en dessous. Pareil. Pareil. Ah oh, c'est dégueulasse les nuggets d'iron. Enfin de. Les sortes de bacon en fait quoi. De pig iron. Hein. Terrible. J'ai pas déjà mis un poulet non-appel. C'est plus rapide vu que ça va ultra vite. Ouais mais en fait je m'en fous d'aller ultra vite, j'ai déjà un truc infini et puis presque pas besoin en fait. Presque pas besoin. Mais pour l'instant je m'en fous que ça aille plus vite. Hein. J'ai déjà largement ce qu'il faut. Le blé en soi je me vois pas réutiliser du blé là pour l'instant pendant un petit moment et puis les graines de blé bah j'ai suffisant. Là par contre je vais en faire un petit peu sur de compte. D'ailleurs je crois que j'ai le truc du plutonium à faire. Il y a combien? Je suis à 9. Paf. Voilà.
Je mettrais pas un petit coup de time bottle comme ça chez les croisements vite fait. Donc ici on a le slot. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On a dit que c'était Magical Wood Iridium. On va mettre Magical Wood. Attendant. Ça me fait quoi? Ça me fait Plutonium et après Plutonium il n'y a plus rien. Donc en vrai là faut juste que je fasse Magical Wood. Et ensuite après là, le cyanite je vais mettre Iridium. Et comme ça j'aurai fini les derniers croisements. Normalement après tout le reste des poulets. Ah quoique. J'allais dire tout le reste des poulets ce sera bon, il n'y aura plus de croisement. C'est faux parce que j'ai encore l'élémentium à faire là. Là j'ai encore du Lunar Active et du Stonebird. Et après j'aurai encore d'autres choses à faire. Et encore d'autres choses à faire. Et normalement le Demon Metal c'est le dernier. Genre t'as plus après. Parce que Stonebird t'as rien et voilà. Après c'est le dernier qui me manque. Check la liste des poulets, on est où? C'est ça. Donc le manet. Attends, le manet, tu fais quoi? Hein? Il est où le Madanicius? Normalement, j'ai tous les poulets ici qui manquent pour faire le truc. What the fuck? Gold et Iridium. Ah, mais il est là. Je suis con. Ok. Donc, Sunbird, on l'a vu. Lunar, on l'a vu. Ces deux-là, c'est ceux qui sont après le Lunar. Le Butonium, c'est celui avec le Cyanite. Et l'Elementium, celui avec le Terracil qui est en cours. Il nous manque juste 8 poulets. 7 poulets. On les a tous. Sauf ces 4-là. Mais ces 4-là, c'est des poulets vanilla. Juste, tu mets des trucs spéciaux à côté pour les transformer, quoi. Salut Yo, comment vas-tu? Je peux montrer ton système auto pour les poulets. Alors. Je peux. Je peux. Et je vais faire que je prenne une note sur moi pour montrer. Tac. Du coup, comment ça marche? En gros, les poulets, bon, ça c'est simple. Les poulets vont dans un chicken breeder. Déjà, dis-toi que le vert, normalement, t'en as pas besoin. Moi, j'ai mis du vert parce que mon système il est un peu cassé parce qu'ils sont un peu trop proches les uns des autres. Mais normalement, le vert, t'en as pas besoin. Enfin, c'est un peu normal, c'est juste qu'on a pas besoin. Il sert à rien. Il sert juste à bloquer l'item pour pas qu'il aille trop loin et qu'il se fasse aspirer en dessous. Ou au-dessus, ou en fonction de comment c'est posé. Mais du coup, bon, ici, t'as le chicken breeder, t'as les poulets qui sont dedans. Là, c'est là où t'as coupé tes poulets pour les monter en. Ah non. Une fois que tes poulets se sont reproduits et qu'ils vont en faire un nouveau, il va arriver ici, il va être transféré là-dedans, dans le drawer. Comment? En gros, entre les deux, t'as une node. T'as une flat node, flat transfer node, qui est placée de telle sorte à ce que ce soit, ça aspire d'ici pour arriver dans le drawer. Là, tu vas avoir tes poulets. Donc t'as deux slots, j'ai fait un drawer de deux. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, t'as deux poulets qu'il te faut. Deux poulets. Une fois que ton drawer est plein, ton drawer est plein, il va émettre un signal de redstone. Pourquoi? Parce qu'il y a une upgrade qui le fait. En fait, il te faut absolument ces deux upgrades là pour minimiser le nombre de poulets maximum que tu peux avoir par stack à l'intérieur et aussi pour envoyer un tick de redstone une fois que c'est full. Donc imaginons que là ça soit reproduit, ça va me sortir peut-être un poulet 1, 2, 3, enfin 1, 2, 2, imaginons, et un autre poulet 2, 2, 2 par exemple. Donc tu auras les deux poulets différents qui vont être là. Ça envoie un signal de redstone, ça va activer le block breaker qui va casser le chicken breeder. Le chicken breeder, les poulets. Et les graines vont être aspirées dans l'Advanced Item Collector. Ça va arriver dans la crate. Ouais, il y a beaucoup de poulets, c'est les poulets d'avant. Et ensuite, le Chicken Breeder, il est pris par un item conduit avec un filtre. Il est mis dans un bloc placeur. Ça repose le Chicken Breeder. En même temps, on a toujours nos poulets ici. Enfin, on a toujours les poulets à gauche, on a toujours les graines à droite. Du coup, pour transférer les graines, qu'est-ce qu'il faut? Une autre transfert node. Qui est placée de telle sorte à ce que ça transfère les graines ici jusque là. Avec bien évidemment un filtre pour pas que ça prenne des poulets. Et les poulets qui sont ici, via ce petit item conduit, reviennent dans le chicken breeder. Donc en fait, tes poulets vont reproduire, ils vont faire des poulets. Une fois que c'est full, ça active le signal redstone, ça casse tout. Le chicken breeder, il repart en dessous, il se repose. Les graines se remettent directement dedans. Les poulets, qui sont mieux que tes anciens, vont se mettre à la place des anciens. Donc en gros, t'as tes nouveaux poulets, mieux. Les anciens, poubelle. Il reste là-dedans, tu t'en fous. Et voilà. Et c'est grosso merdo le système. Je sais pas s'il y a plus compact, je sais pas s'il y a plus opti, mais je sais que en fait le problème de ce système là c'est que quand t'arrives à la fin que t'as des poulets genre 8-9-9 ou autre, et bah si t'as du 10-10-10 qui se stack là dedans, t'es niqué. Parce que en fait tu vas avoir 16 poulets 10-10-10 qui vont arriver là dedans et puis c'est tout. Enfin, un petit peu, c'est juste sur la fin, faut check parce que c'est rare que t'aies tes poulets 10-10-10 qui arrivent là dedans, ils vont rester dans le drawer, hein, parce qu'évidemment ils vont rester dans le même slot. On va faire les deux slots, à moins d'en avoir 32.
La note c'est pour les seeds. Yes. En fait t'as une node entre ça et ça pour prendre des poulets. Ici à ici. Pour prendre des nouveaux poulets. Et t'as une node de la crate chicken breeder pour prendre des graines. Pourquoi? Un petit peu de ça parce que non, j'aurais pas cette place ici. Ouais. Parfait. Parfait, parfait. Ouais, je sais pas, HL après, moi je sais que c'est le setup que Pierre avait fait, donc bon, j'ai juste repris son setup. Hein. Marchait pas trop mal. Hein. L'avantage, c'est juste qu'en fait, tu mets à peu près en vrai un stack de graines avec tes poulets, ça te sort presque du 10-10. Ou moins. Donc voilà, tu mets ton sac de graines, tu mets tes poulets, ça vit. Il faut bien penser aussi au filtre de la node entre la crate et le breeder pour que ça prenne que les graines et que ça prenne pas autre chose. C'est le plus important en vrai dans le setup. C'est quoi l'item pour filtrer sur la node? Et un filtre simplement. Des notes d'extra U, donc c'est un filtre d'extra U. C'est pas plus con que ça. Hein. De toute façon, généralement, quand tu as un filtre, tu tapes filtre, tu regardes la liste que tu as, tu regardes le mode que tu utilises. Donc, moi j'utilise une transfer node de extra U. Logiquement, il faut un filtre du même mode parce que ça va avec. Et du coup, t'as pas 150 filtres dans extra U. Hein. T'as des filtres pour les transfert pipe. Hein. Ouais, c'est ce que tu veux, c'est juste faire comme ça. Tu vois qu'ils ont la même forme que tes nodes par déduction. En vrai, quand tu fais un clic droit, en fait, quand tu fais un chiffre droit, tu vois pas, tu peux filtrer qu'une fois qu'elle est posée. Mais en tout cas, quand tu regardes une node, là, sans le. Eh bah, si, je vais te casser. Et tu vois là, l'icône du filtre, même que celui-ci, donc t'en déduis que c'est bon quoi. Après, t'as un filtre aussi pour les fluides, et toi, c'est pas des fluides que tu transférais, donc y'a pas à faire l'item pour les fluides. C'est logique. Si logique, si logique. Elle est pas finie, il rigole style. Au revoir. Et bien, let's go Iridium. Et tricole style, normalement, il n'y a rien avec. Hein. Non. On va se border. Ah. Et attends, mais je. Et quoi? Et bien, encore pas fini. Ok. Bon, on va le poser. Persuadé de l'avoir fini la dernière fois. Non, j'avais juste mis. Ok. Ouais, tu m'étonnes. Normalement, il faut pas des modes trop compliqués, HL. Il faut des trucs simples d'utilisation, facilement compréhensibles pour les vieux. Si c'est compréhensible pour les vieux, ça devrait être pour moi. Il y a un nouvel item qui s'est inséré depuis tout à l'heure. Je crois qu'on était à 92 tout à l'heure, non? Si on a 91. Si on a 91. En vrai, je pense que les trucs qui manquent, ça va être les sortes de crypto ou trucs comme ça. Serveur à la fin. Je sais pas. Hein, est-ce qu'on a le chargeade? Ouais, on a le chargeade. Je sais pas. Il peut manquer par rapport à ici. Ou alors, c'est juste qu'il y a déjà un stack qui a été fini. Fais gaffe. Non, même pas. Ah, l'iron est à 63, tu me diras. Donc en vrai. En vrai, ça aurait pu. En vrai, ça aurait pu. Mais vu que c'est le premier que je lançais, je pense pas que les autres c'était fini. Ça m'étonnerait. Bref. Bon alors. Maintenant qu'on a l'autocraft, en vrai là. On serait pas les turbines en plus. Hein, parce qu'on a setup qu'un côté. D'ailleurs, normalement, c'est tout câblé ici. Hein. C'est câblé parfaitement. Hein. Pas besoin de recâbler. Hein. Il y a tout qui est bien mis. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que j'ai oublié comment fallait faire. Ouais, il manque juste des turbines. Hein. Bon, 50 turbines et puis les contrôleurs, on les a déjà. Je crois qu'en plus j'en ai même un en trop. J'ai fail. Hein. Ça. C'est ça, c'est ça. Eh ben, turbine manuline. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Ah putain, c'est qu'il y a tout ça en plus. Oh. Pire, on fait autocraft. Hein. Il me reste 7 disquettes. Est-ce que ça le ferait pas? Wait. Mais. Pourquoi ma disquette elle a la gueule de ça? Normalement, ça monte aussi. Ah non, j'ai rien dit. Non, je pensais que ça montrait quand même le skin de la disquette. Il faut le bourrer.
pas fou de mettre là-bas. C'est pas fou de mettre ça au milieu de 3-4 trucs. Qu'est-ce que je crave pas beaucoup? On va faire ça, on va faire ça. On va les mettre là-bas pour l'instant. De toute façon, après, il y aura les interfaces à tour. Hein. Enfin, les molécules à transformer, je veux dire. Assembleur. Je vais y arriver. Ou alors, je vous fais 2-3 petits moléculaires là. Pas moyen de faire un petit moléculaire en plus là. Deux petits moléculaires. Pour me mettre bien. Crafting table. Comment? Ah, mais j'ai fait le craft avec une crafting station. C'est une gueule. Ma gueule. Quel moment j'ai fait ça? Parce que moi j'ai l'autocraft des crafting tables. Je suis des crafting station. Forcément déjà ça couille. À partir de là il y a un petit souci dans tout ça. Et en plus je crois qu'il me faut du quartz. Du quartz crush. C'est pas grave. On va en refaire. Alors 5000. 5000, 5000, 5000. Hop. Ah puis il y en a déjà qui s'est fait en plus. Bon ça suffira pour le craft pour l'instant. Ouais, j'aurais pensé le récupérer plus tard. Parfait. Du coup, moléculaire. Alors je peux demander deux. Je pense qu'en vrai je pourrais même en demander plus que deux mais. Rester sur deux ça suffit. On va en faire un de plus pour cette interface là et ça va en faire deux de plus pour ici surtout. Ça va être cool pour le craft. Par contre, du coup, il va me falloir 20 acceleration card. 10 plutôt. Et là, il manque des calculations de processeurs. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. J'ai même plus de circuit en quartz. Il faudrait que je refasse du pur. Problématique. Problématique. Bon, ça se fait en 2 secondes. Hein. J'ai encore du silicon. Mais il n'y a plus de trucs en ça. Modèle, tu les mets, tu fais tes turbines et le recycle. Oui. Oui, de toute façon, je vais la retirer après parce qu'après les turbines, je vais pas en faire d'autres. Oui. Mais c'est juste que je voulais mettre ça dans une interface qui ait plus de molécules à rassembleur que juste un quoi. Avec un molécule à rassembleur, vu le nombre de craft qu'il y a à faire là, de ça. Ça aurait mis un petit peu de temps. Ça aurait mis un poil de temps. Un petit peu, hein. Un petit peu beaucoup. Vroom. On a large assez. Mais là c'est toujours pareil, hein, ce genre de choses, vu que c'est pas encore automatisé, je préfère les faire par stack. Si j'ai l'occasion de pouvoir le faire par stack, je le fais par stack. D'ailleurs j'ai même envie de lancer un autre stack. Parce que le pur me sert qu'à ça. À faire, pareil, si l'icône, je vais en prendre un petit peu. Hop, on va balancer un petit stack. Voilà. Comme ça on va déjà avoir un stade de calculation processor, mais c'est pas mal. Oh, ça fait le taf. Ça fait le taf, ça fait le taf. C'était pourquoi qu'il nous fallait ça? Pour une accélération card. Hop. Voilà. On va pouvoir mettre ça là-dedans. On va mettre ça là-dedans. Et le tour est joué. Du coup pour l'instant qu'est-ce qu'on a fait? On a automatisé les iron frames. On a automatisé bah c'est tout. On a fait ça aussi. Pour la turbine là. Normalement je peux déjà faire ça. Bon jeu quoi. Alors j'ai pas cliqué sur le bon. Hein? Il aime pas que tu changes de disquette ce truc. Et quand on va les remettre? Remettre tout ça. Et il aime pas trop qu'on modifie les emplacements. Pas son kiff Applied. C'était pas pourquoi hein, mais juste pas son kiff. Bon si on va mettre là-dedans c'est pas grave. Normalement il s'emballe avec. Ouais bah écoute, là je saurais pas expliquer pourquoi il s'emballe avec pas. Ça me fait plus chier qu'autre chose, je t'avoue. Mais je sais pas pourquoi il s'emballe les couilles pas là. Enfin, il s'emballe pas les couilles. Hein. Il s'emballe les couilles pas. Yes. Non, j'ai refait une interface. Comment ils me tout mettent dans la même interface? Faisons une interface. Je sais que je peux la mettre.
Je vais mettre. En vrai, je vais les mettre là et je vais refaire deux molécules à rassembler. Comme ça, on continue de remplir doucement mais sûrement notre petit cube. Hop. On va faire bien évidemment l'exploration card. De toute façon, on a fait mass processeur pour faire. Voilà. Là, je vais pouvoir mettre mes petites nouvelles disquettes là-dedans. Parfait. Donc, normalement, on a tout. Plus qu'il y a à faire. Il n'y a plus qu'un. Je pense que ça va crafter plus facilement ça que le reste. Parfait. Alors, il nous faut combien? Il faut 50 turbines x 13. X 650. Je dis pas de la merde. Donc, là, les turbines. bits. Et comme quoi Hein? Comment ça peut passer? Ah non, ça passe pas. Je me disais non, ça passe pas en fait parce que j'ai pas assez, j'ai 32k. On va en faire 500. Putain, c'est con, je pouvais tout le faire un peu. Ouais, 500 ça passe. Pas 150 encore. Ça met combien de temps à faire? Une minute. Oui. Ah, c'est vrai que c'est ultra rapide hein. Au final, ce qui va être ultra long, c'est les turbines. Non, c'est ça. En même temps, j'ai pas l'impression que c'est... Ah si, ça les fait vite. Ça les fait pas très vite, mais c'est parce qu'il y a que deux co-processing units. Et du coup, ça peut faire que deux tâches à la fois. Donc ça peut pas trop bourrer non plus les différents crafts en même temps. Vu que ça faisait toutes les frames en fait au début, enfin tous les wiring. Non, ça pouvait pas faire le reste. Comme ça, c'est 1.8 ce soir. J'ai envie de jouer à 1.8 ce soir, moi je joue à 1.8.9. Genre 16 gigas, ça suffit pas. Après, il y a beaucoup de craft hein, parce que t'as 2000 trucs comme ça, t'en as 1008 comme ça, t'en avais je sais pas combien d'autres, là, ça, t'en avais 8 milliards à faire. Donc, là, vous pensez que je peux tailler une bottle ça? Je pense que c'est pas le bon délire en fait. C'est pas le genre de choses que t'as envie de faire. En fait, ça arrive juste pas à input. Ça fait le craft très vite. Hein. Ça input juste pour. Est-ce que du coup. J'essaye de trouver des failles, hein. Ou alors ça viendrait d'interface. Enfin, on essaye de tout à une bottle, hein. T'as pas l'air d'aller plus vite, hein. Ah, la machine voit bien, ok. J'ai tellement hâte de recevoir un barré de RAM pour pas. Pour commencer à jouer à Ragnamod en mode pépouze. Bah, moi j'ai 16 gigas et je joue en mode pépouze, hein. Et dis-toi que. En plus, par-dessus. Enfin, toi, par exemple, moi j'ai OBS, Streamlabel et tout ça en plus. Parce que toi, tu juste en jouant quoi. Tiens. Là, j'ai Chrome qui est ouvert avec plusieurs pages Chrome. Enfin, j'ai Twitch qui est ouvert du coup. J'ai machin qui est ouvert. J'ai Discord d'ouvert. J'ai OBS d'ouvert. J'ai Streamlabel d'ouvert pour avoir les notifications. J'ai plein de trucs d'ouvert en vrai. Et avec 16 Go de RAM, ça passe large. Ça passe large. Il me reste 20% de ma mémoire en fait, tu vois. Il me reste 20% de RAM là. C'est bon. Alors que j'ai alloué 10 gigas au modpack quoi. C'est quoi ça voit bien. Normalement ça devrait aller un poil plus vite là. Je dis ça en fait, il y a quand même 180, il y a quand même 2 minicraft à faire. On en est à combien les turbines là? Ok, là ça commence à faire les turbines. Là ça me parle. Là ça se fait que dans le coin. Ah mais en fait vu que j'ai deux coprocessing units, ça ne peut utiliser que deux molécules à rassembleur, c'est ça le délire? Non. Si. Ah si. En fait. Du coup, faudrait quand même que je. Ça en fait. Faudrait que je refasse des coprocessing. J'ai pas l'autocraft en plus de sa merde. Oh, j'ai rien d'autocraft du tout ça moi. Et on est d'accord que là je peux pas le rajouter pour l'instant. Merde.
Bah je démerde moi en fait. Pas de siffle au loto. Ouais, je l'ai crafté à la bagnole. C'est juste que je m'étais fail l'endroit. Et je pense pas pouvoir les rajouter en Minecraft. Je pense que ça va juste me faire un gros fuck. Je pense que ça va juste me dire nique-toi. Ça m'a dit nique-toi. Ah, c'est pas grave. Allez. On a fait 150, 147 turbines. Il en faut encore 504. Voilà, ça va aller plus vite. Ça pourra gérer bien plus de craft à la fois. Bah 30 secondes. Forcément. J'en ai lancé plus à faire et ça m'affiche 3 fois moins de temps. Et je commence à laver des mods et des plugins. Ah ok. Après ouais, t'étais en solo ou t'étais sur serveur toi? C'est vrai que si jamais t'es en solo, ça bouffe un peu plus que si jamais t'es en serveur. 147 plus 504. T'avais pas 146? Moi j'ai vu 146. C'est vrai que je pourrais en faire encore des coprocessing. Là c'est mou du débit. Hein. Ah, on peut crafter là-dedans, hé hey. J'aime pas ça. Ah, là, je peux plus par contre. Par contre, je peux en mettre un dernier. Eh ouais. J'en ai 9. Ah, attends, si. Wait. Bon, c'est dégueulasse, hein. Ah. Trois des designs de mieux. Il faut 429. Alors par contre en vrai là j'en ai mis, tu vois là j'en ai mis plus. Ça pas à grand chose parce qu'au final je me retrouve avec enfin alors, plus à grand chose maintenant parce que j'ai que 3 molécules à assembleur ici. Et là ça en utilise qu'un parce que ça a pas assez de ressources de toute façon pour en utiliser plus. C'est-à-dire il n'y a pas assez de ressources pour faire plus de turbines tu vois. Je vois que ça tique que rarement en fait la turbine parce qu'il m'en faut beaucoup plus de ça. Et normalement c'est pas censé faire ça en fait parce que ça c'est le craft par combien. Je sais pas combien ça les craft ça. Ah ça se craft par 1 pas par 4. Ah oui donc en fait il faudrait 4 en fait il faudrait 4 assembleurs pour suivre un assembleur de ça. Oh j'allais le ban. Pas drôle Lucky. T'es pas drôle hein. Il est trop stylé le badge. Le badge doré la descente là. J'ai quelle couleur moi? Comment ça j'ai plus de badge? Nick! Qui c'est qu'on gère ces badges? Tu es 250 c'est quoi? Faut que je retrouve la page sur laquelle j'étais tombé. Ouais. Si d'afficher la page. Panique. 250, il est tout ouvert. Celui des 250, il est comme ça. Il est comme celui-là. Ah, fini. Ah ouais. Non, en vrai, il est pas comme celui-là. Non, en vrai, il est un vert pas dégueulasse. Il est vert. Non, en fait, il a un vert un peu l'Azerator. Et t'es quoi? Voilà. Là. Beat scroll un petit peu sur la page et il y a tous les badges. Que ce soit des badges de beats, des badges de. C'est ça qu'il y a les badges de beats aussi. Ils sont sympas. On fait voir les badges de beats. Ils ressemblent à quoi? Les badges de bits, moi j'aime bien le. En fait, le 5000 je l'aime bien, le 10000 je l'aime bien. Le 50000, le 60. Au final, après ils sont tous cool. Juste le 25000, je suis pas trop. Bon, c'est du rose quoi, faut... après faut aimer le rose quoi. Non, les badges de bits sont tous cool. Les couleurs sont toutes cool.
T'as la Zerator, alors c'est pas dégueulasse. Non mais t'as vert et vert, tu vois. Bon moi j'ai montré un vert fluo tout creepy, mais mais c'est pas le cas. C'est sur combien de long? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 40 en direction. Ouais, c'est les liens Twitch. Les liens Twitch, ça te change 150 fois d'URL avant d'arriver à la bonne. Enfin, c'est trop chelou. C'est tous les liens Twitch de comme ça. C'est full bit. Et ce qui est terrible, c'est que. Et quand ça te fait ça, ça te change 150 fois. Et pour arriver sur une page, il y a écrit cette page n'existe pas. Ça m'arrive souvent. Genre sur. Maintenant sur le stream MV, en bas du chat, il y a une sorte de monnaie que tu récupères à chaque fois que tu regardes le stream. J'ai cliqué dessus pour voir qui c'était, où ça venait et tout. Dessus, cette page n'existe pas. Ça fait beaucoup pour l'extension, ce genre de choses. Avec sa frise de fou dans cette zone, c'est terrible. Ah et puis faut sneak. Faut sneak pas belle. Un bêta test chez MV. Ok. Mais c'est quoi en fait du coup? Parce que j'ai vu que tu pouvais avec. Enfin je sais plus tu peux faire les choses. Wand. Ça marche le wand. Par la main. C'est en fait ouais c'est une sorte de monnaie que t'as accumulé tout ça, après tu peux reward différentes choses mais. J'ai pas vu, je me souviens plus exactement ce que c'était. Mister Geek. Oh. Le mec qui vient de balancer 100 boules de sub. Il balance 100 boules de bits. Le mec, t'en as plus rien à foutre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 100 bits. Pour les 100 bits. Non, pour les 10 000 bits. Merci beaucoup. Non, merci à toi pour ton soutien, ta générosité. Mais pas dans la merde. Hein. Pas dans la merde, bien évidemment. Gros merci à toi. Et tout, pour toute cette tounasse. Les modes subway là. Putain, c'est vrai qu'il y avait ça. Merde. C'est vrai qu'il y a les modes subway! C'est vrai qu'il y a la tier mode subway! Qui rajoute 10% sur les dons en bits! J'avais zappé. Ouais, mais ils pouvaient pas savoir. Enfin, ils pouvaient pas savoir. Non, mais c'est tellement pas intuitif leur truc à Twitch aussi, c'est terrible. C'est terrible. Parce qu'en gros, en fait, quand tu fais un don. Et du coup, là, il est VIP en fait d'ailleurs, Mister Geek. Ouais. Mais il n'y a pas encore ton badge devant ton pseudo. Et en fait, ouais, le truc, c'est que si je te mets VIP, t'auras pas le badge. C'est con que t'aies pris un badge pour pas l'avoir. Je pense qu'il faut attendre un petit peu que ça s'update. Et oui, en fait, en gros, en fait, quand on fait les dons en cheers là, en bits, on peut utiliser une cheer mode. Hein. Au lieu des cheer mode de base, en fait, on peut cliquer sur. Quand tu cliques sur les trucs des bits, t'as un petit sandwich. Si tu fais un don avec ce petit sandwich, il y a Twitch qui rajoute 10%. Pourquoi il aurait pas le badge? Parce que ça a été, c'est comme quand tu te sub ou t'as pas le badge qui apparaît de suite. Ça met un petit peu de temps à s'update à chaque fois. En tout cas, moi je vois pas avec pour l'instant. Encore un gros merci, Mister Geek. Et l'autre jour, ça bug pour VIP. Comment ça, Mister Geek? Il a encore rien dit depuis son VIP page. Son VIP page. Là il l'a dit. Non mais j'ai pas encore VIP en fait. Je l'ai pas VIP. Mais normalement devant son pseudo. Ah ou alors tu. Non tu peux pas avoir que 2 badges. Non tu peux avoir jusqu'à 3 badges dans le chat. Normalement il est censé avoir aussi le badge des cheers. Attends, c'est où qu'on modifie ses badges?
Putain, j'arrive pas à check. Comment on fait? Normalement, c'est sur l'engrenage en bas à gauche. Mais j'ai dit trop de trucs. J'arrive plus à trouver. Clique sur l'engrenage sur le chat. Ouais, mais moi j'ai pas. J'ai affiché l'icône de modération, affiché les actions de modération, affiché les messages bloqués par automode, affiché au redatage, message supprimé, chat en pause, chat en émoticône uniquement, chat réservé aux followers, mode lent, voir les raids récents, gérer les paramètres de modération. Quitte le mode modo. Ça marche mieux. Mais ouais, du coup, attends. Ah! Bon, forcément, moi, je peux pas check le badge bits parce que je peux pas envoyer des bits à moi-même. Non mais là si je te regarde, si je te fais VIP, Mister Geek, ça marche. Regarde, là tu peux remettre un message, tu seras VIP, tu vois. Ça c'est pas le souci, le VIP n'est pas le souci. Là t'es boss, là t'es VIP. Le truc c'est que il est censé avoir le petit badge. Les bibites. Tu perds ton cadeau d'or mais pas le beat. Ah, tu veux pas avoir les deux en même temps? C'est soit l'un soit l'autre, mais c'est complètement con. Parce que tu peux avoir 4, tu peux avoir 3 badges différents. C'est un des deux. C'est de la merde. Bon, au pire, un jour sur deux tu changes. Les jours pairs tu mets le cadeau. Les jours impairs tu mets le truc. Non mais c'est. Pourquoi ils mettent 3 slots de badge possible? Et celui-là. Le top date des deux miens. Hein. C'est pareil pour le badge prime. Hein. Ouais, je sais pas si je. Ouais, non, mais je vois bien. En fait, je pense qu'en fait, il doit y avoir des slots. T'as un nombre de badges limités, il doit y avoir un nombre de slots. Enfin, au sein de ces nombres de badges limités, il doit y avoir des slots de badges. Les grades, niveau de sub, niveau de gift. Ouais, je pense que c'est ça. Et toi, ouais, je sais pas. Chelou. Parce qu'après par dessus tu vois, t'as les trucs Twitch Prime et tout ça, t'as les trucs vérifiés aussi. Enfin, moi vérifier c'est pareil, c'est un badge aussi. Ouais, le check sur la chaîne de quelqu'un. Putain, je sais qui. Chez H2 je crois que j'ai tout. Je crois que chez H2 je vais avoir tous les badges possibles. Attends, j'ai plus badge sub. Regarde. Si j'ai envoyé des bits. Oh, le check. Ah, d'ailleurs, ce matin, amen, on a les mecs là qui sont passés pour par rapport aux fuites là qu'on avait. Et on avait bel et bien un souci, hein, parce que bon, il y avait déjà un mec qui était passé là pour les fuites, parce qu'en fait, pour savoir, on a des fuites dans la cuisine quand il pleut. Et chiant. Ça va, ça tombe en fait sur le carrelage. Ça tombe pas sur les ustensiles de cuisine ou autre. Ce qui aurait été très chiant. Mais il y avait un mec qui était déjà passé. Le mec était allé sur le toit, tout ça, il avait dit qu'il avait rien eu. Déjà. On va pour un con, frérot, à chaque fois qu'il pleut, il y a des grosses fuites. Il y a un truc. Et tout à l'heure, il y a des mecs qui sont passés. Il y a des mecs qui ont pris une photo. Il y a un des mecs qui était sur toi, il a pris une photo, mais genre en fait, en gros, c'est une toiture en tôle hein, sous des briques. Sous des tuiles, je veux dire. Et. Enfin, une toiture en tôle, une toiture en zinc. Et en gros, t'as une fissure dans le truc. T'as genre le truc qui a pété. Et genre, ça a pété ça, quoi. Genre, t'as une fissure comme ça, longue comme ça. En plus, ça fait une sorte de cuvette. Hein. Donc, forcément, quand il pleut, t'as toute la flotte qui s'accumule là. M'étonne qu'après on se retrouve avec 3 litres de flotte par terre dans la cuisine. Quoi. Et le mec, avant qu'il était passé, il avait dit qu'il y avait rien quand même. Hein. Tu sens que les mecs, c'est des indépendants quand même. Tu sens que bon. Il y en a, ils ont pas forcément reçu de formation avant. Ils font ça un petit peu en mode autodidacte là. Vérifier, je me demande si c'est pas bonus. Ah, le vérifier. Non, je crois pas. Je crois que même en étant vérifié, t'as que 3 slots de disponibles. Et le vérifier, il doit se mettre à la place du prime, un truc comme ça, je crois. Je crois que c'est des merdes du genre. Ça, c'est les badges de Twitch en dehors, en fait, tu vois.
Du coup, en tout cas, tout à l'heure, le mec a tout ressoudé bien comme il faut. Et normalement, j'ai bien normalement, je croise les doigts. On va plus avoir de fuite. Alors, ce que j'ai perdu, c'est que aussi, de temps en temps, ça coulait juste à côté du PC. Ça coulait même sur le PC. C'est-à-dire que vu qu'il a bouché un endroit, il n'y avait pas un autre endroit qu'il a pas vu et qu'au final, ça aggrave hein, au niveau du PC. C'est le seul truc que j'espère parce que c'est un pied. Bon. Bah voilà, écoutez, on a toutes les turbines. Alors pourquoi à 9 pourquoi j'ai que le cap de lier. Leur fuite quoi. Alors, comment dire. Je veux bien, hein. Pourquoi il y a que le cap ici d'énergie. Pourquoi il n'y a pas le cap de compte vide. Ah mais il est là le cap. Mais non mais. Pourquoi il est pas. Pourquoi il est pas opérationnel ce con. Comment je fais pour qu'il soit opérationnel là-dessus. Parce que là, si je le casse, il faudrait que je le reconfig. Il m'emmerderait. Et il fuit mais il couche. Bah je peux choisir, c'est celui de droite et les autres sont forcément automatiques. Pas sans forcer et automatique, ok. Bah ouais mais en même temps tu peux, enfin en tout cas moi je sais que le vérifier je peux le cacher par exemple tu vois. Le prime je peux le cacher. Ouais ça m'emmerde cette histoire de conduite hein. Fille de droite hein. Non parce que je peux avoir le badge de prime et le badge de cadeau tu vois. Enfin le badge de vérifier le badge de cadeau tu vois. Bah c'est bizarre. Et d'ailleurs pourquoi j'ai plus le truc de cadeau. J'avais le truc de cadeau. Ah c'est parce que je suis en stream. Donc quand je suis en stream j'ai un badge diffuseur. Et quand je suis pas en live j'ai pas le badge diffuseur je crois. Pas de PayPal hein. De quoi Mister Geek. Ça c'est pur mais attends il a jamais été config ce compte câble wait et en fait pas besoin de le câble il fait rien dans ces machines. Je crois que c'est juste qu'il n'y a pas d'énergie en fait. Bah oui. Parce que j'ai pas d'énergie pour lancer la machine. Du cul. Parce qu'en fait ça va tout être put directement là-dedans. Des bim là, non. Ou un plug. Où c'est que je l'ai mis là-bas. Je l'ai mis sur un câble ici. On me pousse. Alors mélodique. Ah, pour les dons directs. Non bah en fait le truc c'est que j'avais désactivé les dons directs PayPal et tout ça. En fait c'était pour éviter les problèmes de litige et tout ça. Mais en fait à la fois j'ai fait ça et à la fois j'avais jamais eu de litige. Je sais pas si je les réactiverai un jour. Au pire ce que je peux faire c'est juste laisser les dons en carte bleue. Juste laisser les dons en carte bleue. Et je crois que les dons en carte. Je sais pas si tu peux faire les dons en carte bleue et payer par PayPal avec. Je crois que tu peux. Les dons en carte bleue, je crois que tu peux le faire par PayPal. Le bureau est pas adapté pour plusieurs écrans, surtout ils sont tous de cette taille. Hein, hein. Ah oui, t'as un écran en 4K. En vrai, moi je sais pas si un jour je prendrai des écrans en 4K. Bon, je pense que dans plusieurs années je prendrai des écrans en 4K quand la 1080p de maintenant, tu vois. Enfin, le Full HD de maintenant. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose, tu vois, que. Ouais, je sais pas. Pas 4K, c'est 3K. Ah oui, c'est quoi? C'est pas de la Full HD, c'est de l'Ultra HD, c'est ça? Du genre. Le truc en 3-2, je sais pas comment ça s'appelle. Le 3K, c'est pas très. Tu vois rarement le 3K, quoi. Je crois qu'il l'appelle différemment. C'est de la 1440, non? Ah non, c'est de la 1600 que t'as. What the fuck? C'est quoi ton format chelou, là? Bon, donc ici c'est l'input d'énergie. Il va juste me falloir un poil de cul d'énergie.
Est-ce que j'aurais pas un truc qui fait office de batterie? J'ai pas une batterie. J'ai pas un truc qui est portable qui peut prendre de l'énergie sur lui? Non? Ah si, je suis. En vrai, je fous juste ça 10 secondes. Vous allez voir, regardez. Variance sociale. Je vais mettre ça. Il faut que je mette sur la bonne machine. C'est pas la bonne machine qui tourne. Et qui tourne. LED. Et quelqu'un a reçu l'énergie. Ou alors si, je pense qu'elle tourne mais au ralenti. Mais attends pas, c'est de la merde, attendez. Attendez. Juste que je fasse un truc. Juste que je fasse ça. Celle-là va tourner. C'est ce que j'essaye de faire. Là normalement j'ai assez d'énergie pour ça. Et là théoriquement ça m'a chié assez d'énergie pour tout lancer, non? Ah! Yes! Yes! Je pense qu'on est bon là. Ouais c'est bon, on est bon. Là normalement ça a tout lancé. Là ça a tout bufferisé. Voilà! C'est ça qu'on veut! Et voilà! Et c'est full! Rien. Ouais, c'est. Faut juste un poil d'énergie pour lancer les machines. Et après, bah ça s'auto-suffit quoi. Au pire, je pourrais juste réactiver. En vrai, au pire, je pourrais juste réactiver les donations en CB. Hein. Je pourrais juste réactiver les donations via le truc. Hein. Sulfure ne bloque pas. Non, parce que j'ai une upgrade en fait qui fait qu'une fois que c'est full en sulfure. D'ailleurs vérifier qu'elle se minimise. Normalement j'ai une upgrade qui fait qu'une fois que c'est full en sulfure, elle est où l'upgrade? Elle est là. Une fois qu'en fait ton slot secondaire est full, ça détruit le surplus. Et comme un void upgrade sur ton miner, enfin sur ton power route quoi. C'est un peu perturbant parce que t'as l'impression qu'en fait ta machine a s'arrêté parce qu'elle est full, enfin parce que c'est full, mais absolument pas. Et d'ailleurs j'y pense en fait, attendez. Parce que je dis réactiver mes dons, c'est... en fait ils ont toujours été activés, c'est juste que vous n'avez plus le lien. En vrai, c'est pas la différence. Juste ça. Ah mais si je réactive le truc, il faudrait que je rechange tous les messages et tout ça. Ça y est, donc c'est bien qu'ils sont actifs. Ah, ils ont retiré. Non, avant, tu pouvais link par exemple Coinbase pour recevoir des dons en. Ah, ou alors on pouvait ça parce que j'étais en. C'est full buggé! Et comment je le vois mon lien de don? On peut rien leur truc. Ils changent l'interface chaque jour. J'ai l'impression que chaque fois que je vais sur leur site, c'est de la merde. Et toujours Megalovania pour 10? Yes! Toujours Megalovania pour 10, on a Brain Power pour 25. Et Tutulu pour en dessous de 10. Akun Setting. Non, ça je veux pas. Intégration, je veux pas. Share Access, je veux pas. Mission Setting. Mais je suis con. Précise the URL machin truc pour tout. Oh. The fuck. C'est toi Achal qui a fait le don? Est-ce qu'il y a écrit 100? C'est toi? C'est Dark Kikoulol, comment ça va? Bien, c'est et salut Thibaut. Comment allez-vous? Maintenant, faut aller sur ma page Twitch. Ah. Oh. Bon, tellement de paquets loss en vrai. Comment ça va? Oui, par c'est pas direct. Hein. Ok. Non, parce qu'il n'y avait pas écrit HL en fait, c'est pour ça. Merci beaucoup du coup. Merci beaucoup. On va éditer les panneaux. Mon panneau de donation. Lien d'image vers. Ah.
Il faudra que je modifie le message en dessous. Un message. Pas tout ça après le live, filou. Après le, ah bah non, après le live, c'est la vaisselle. Nick. Bon, pas ça entre le live et la vaisselle. Au revoir, Jean-René. Fait que bannir. Et voilà. Normalement, il y a le lien maintenant sur l'image ou sous le live. Mais c'est vrai que j'avais jamais pu désactiver parce que chaque fois la chaîne est cinéphile qui refait les tips. S'ils avaient encore le lien, terrible. Du coup, je pouvais jamais réactiver parce qu'en fait, là-dessus, quand tu reçois de l'argent par CB, il y a toujours un petit temps en fait avant que tu puisses après la retirer, etc. La merde. Une fois, il y a des torches. Hein. Je crois que ça spawn là-dessus. Hein. Oh putain. Ça arrive pas à torcher en dessous. On va torcher un sur deux. Par ça en mode joli. Voilà. Ici il nous faut une torche. Bon, il nous faut une torche. On a la flemme de faire la vaisselle. Non ouais, moi j'aime bien faire la vaisselle. C'est chiant parce qu'il faut le faire souvent en fait. Ça me dérange pas. C'est good hein. C'est good. Et là normalement on a une production de malade hein, en énergie. Toujours les liens bits. Ah ouais, essaye de F5. Essaye de rafraîchir la page. Non normalement non c'est bon. Rafraîchir la page c'est bon. Qui c'est qui m'a fait un sub, j'ai pas le badge. Mais si t'as le badge Makura. C'est quoi que t'as envoyé HL? Ah c'est la musique truc. Là, en parlant de musique, faut que j'aille regarder hein, en vrai. Enfin, j'aille regarder. Ah, mais j'avais pas qu'il y a des turbines ici. Merde. Mais c'est pour ça que j'avais un contrôleur en trop. En fait, je m'étais pas fail. J'avais juste pas fini le truc. J'ai même pas tilté. Il faut combien de turbines? 14, 14 et 3. Il m'en faut 17. Mais du coup, ouais, en parlant de musique, faut que j'aille check un petit peu. Est-ce que je pourrais apprendre au piano? Le problème de ça, c'est que une fois que je commence à écouter des musiques au piano sur YouTube, eh ben, je fais ça jusqu'à 3h du mat. C'est chiant. Parce que, et qu'à chaque fois que j'écoute une musique, ça me fait penser à notre musique, il fait penser à notre musique, il rebolote en fait. Et ça dure très longtemps. Il n'y a pas un qui a pas toutes les turbines. Bah si, du coup. Si. Et c'est Ami Star Geek. J'ai compté avec le cul. Non, c'est bon. Voilà. Et comme ça, on a. Bon, on a 26 fois 50 000 RF par tick. Quoi ? Non, 26 fois 25. En gros, on a 100 000, 200 000, 300 000. Ça fait combien ? 300 000. Normalement, on a 650 000, un prod. Ah, Maester PayPal. De quoi ? Remettre. Attends. Nation. C'est uniquement crédit de karma. Ça a l'air. Ça a l'air. Bon, t'es. Pas de crédit. Ah ouais. Mais bon ouais, c'est con, on va tout activer et punir. On dirait Pyro, il est bientôt d'activé, il n'y a pas de soucis. Bon après Screed, Unit Pay, ça je connais pas. C'est con qu'il n'y ait plus le truc de Streamlabs. De Coinbase, c'était bien ça Coinbase. Ouais je checkerai plus tard.
T'as eu mon lien toi? Ah! Costume pour combattant mi. Je checkerai après le live parce que si je check maintenant. Oh, quoique. Bon. Oh, c'est quoi? Ah, c'est... ah oui, mais sans c'est celui d'Undertale. En vrai, c'est terrible qu'ils aient mis ça genre pour un skin de mi en fait. C'est terrible. Hein. J'aurais dû en faire un vrai perso quoi. Parce que du coup, au final, il aura la même compétence que juste le mi quoi. C'est con. C'est con. On dit ça, Smash Bros, je l'ai, j'ai dû y jouer 5 heures quoi, mais. Bon. En même temps, en fait, moi, le seul truc de Smash Bros, déjà, c'est que j'ai personne avec qui jouer. Là, tout de suite maintenant. Et faut débloquer les personnages. Moi j'aimais bien le mode aventure qu'il y avait. C'était sur lequel? C'était sur le Smash Bros. Le Brawl, j'aimais bien le mode aventure qu'il y avait où c'était toute une histoire que tu suivais tout ça et je le trouvais sympa. Je le trouvais sympa. Pour les fans d'Undertale quoi. Ouais, mais en vrai, c'est grave cool Undertale. En tout cas, les OST sont grave cool. Moi j'ai jamais vu quelqu'un. Si, j'ai dû voir quelqu'un y jouer un tout petit peu. Et c'est tout. Eh hey, Inferium, fais voir les graines. Terrible. Oh, 10-10. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore, hein, Mister Geek. Ta générosité. Calme-toi. T'avais pas dans la merde. T'avais pas dans la merde. Et merci beaucoup encore. Ah mais du coup c'est Mister le boss, c'est plus Mister Geek. Parce que du coup t'as pas mis le même nom. Bon c'est pas grave, c'est pareil. Un énorme merci à toi encore pour les 50€. Donneur d'organes, yes. Il est fou, Mister Geek. Ouais, il est fou. Bah, après, c'est pareil, hein, même pour c'était les éléments. Le mec, il est débarqué en un jour. Il avait balancé combien? 80 subs, c'est ça? Je crois qu'on a assez. Hein. Je crois que ça, c'est juste le service. Après, là, ça sera plus du 10-10, le reste, je pense. Voilà. Alors, ça on va mettre ça bien au chaud pour éviter de faire la même connerie que la dernière fois. Tout le reste du champ, ça dégage. Et là maintenant... Oh, oh. Dernier, je me cale. Ouais, stop hein. Stop hein, sinon je redésactive hein. Faut pas déconner hein. Faut pas déconner hein. Garde aussi ton argent hein. Balance pas tout. T'es pas dans la merde hein. Faut pas des pattes pendant 2 mois après hein. Non, merci à toi encore une fois. La générosité. Un énorme merci. Cœur hein. Maintenant je suis redevenu mes HP. Exactement. Exactement. Pourquoi le trash Inferium? J'ai une réponse. Je pense que parce que je suis con. Je sais pas si ça te convient comme réponse. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé. Parce que je suis con. Bon. Il faudra acheter des émotes aussi avec toutes ces conneries là, j'y pense. Oubliez pas, si jamais vous avez des propositions d'émotes, hein, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des propositions d'émotes pour la chaîne, hein, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, je pense qu'il faudrait que je fasse un. Les mêmes personnages que j'ai là, actuellement, là, avec le cœur, avec le sable et tout ça, il faudrait que je fasse ça version triste. Faudrait que j'en fasse un version triste. Faudrait donc que je fasse un avec la couronne Prime dessus, je pense. De toute façon, j'ai encore plein de slots d'émotes disponibles. Encore plein de slots d'émotes. Hein. Ouais, il y aura la version Prime à faire, hein, version triste. Je sais pas si je peux faire une émote en mode rip. Genre mon skin, mais en mode peut-être avec une tête de mort, en tout cas. Pas trop. Faudrait que je vois. Je vois que la personne qui me fait mes émotes.
Non, en soi j'ai un rip, mais bon, c'est juste un petit rip écrit avec un petit truc de. Non, j'aimerais bien avoir un truc rip un peu plus. Un poil plus travaillé quoi. Hop! Ça ferait déjà 3 émotes, je pense. On va l'avoir déjà 3 émotes. Ah, mais arrête à tout, Mr. Geek. Il est bien désactivé lui hein. Ouais. Oui, de toute façon il m'aurait niqué l'Inferium depuis un bon moment. Du coup je crois qu'on va faire ce qu'on avait dit hein. C'est à dire que l'Inferium que je reçois ici. Attends, c'est terrible. Non oui, l'Inferium que je reçois ici j'envoie directement en Inferium brut et puis il arrive enfin oui, si, je vois directement en Inferium brut, il arrive là-bas, il se stack en Insanium dans mon Applied, et puis voilà. D'accord, on fait ça. Je stocke pas dans un drawer, et puis je fais à la demande. Non, je stocke dans Applied. De toute façon, au pire, bon, normalement, si je vois qu'on Applied, il est rempli d'Insanium, on le cut. Hein. Et déjà, mon Inferium est déjà géré. Bah, en fait, mon Inferium, j'ai déjà tout le système qui le gère. Toute entrée d'Inferium arrive là-dedans et c'est autogéré. Le seul truc, c'est que en fait, mon Inferium qui est là-bas, il va arriver là. Il va se mettre là-dedans et après il va être happé dans la plaid. Donc voilà. J'ai déjà tout l'autocrafting, j'ai déjà tout le décrafting. C'est pour ça que là j'ai pas le stocker dans mon drawer, genre en bloc ou autre, pour économiser du temps ou de la place. Ça sert à rien. Déjà en fait ça, serait, ça prend un mille fois moins de place si c'est stacké en Supremium, en Insanium que. C'est pas ouf. De quoi HL? D'arriver de mon Inferium? Bah, pas mon choix. Hein. Y'a combien de craft pour Insanium? Ah, tu voudrais que je fasse tout l'Insanium ici? Et que comme ça je garde de l'Inferium brut là-bas? En vrai, on pourrait faire ça. En vrai, je pourrais. En fait, je pense qu'on va refaire l'autocraft là-bas. On refait ça là-bas. Il me faut. En vrai, il était bon de slot de libre. Oh. Mais écoute, on va le dégager. On va le dégager. Le crafter. Ah, tu veux carrément que je le mette sur un autre crafter? Parce que là, c'est sur la Nether Star en fait. Ici, la Nether Star qui prend deux crafts. Attendez, je vais cut 2 secondes de farmer. La vie doit faire la craft. Oui, non, c'est pour ça. En fait, celui-là, on va le dégager. Est-ce que d'ailleurs, il conserve les crafts? Eh! C'est trop bien cette machine. Tac! Voilà. Et même pas à se faire chier en fait à faire quoi que ce soit. Il y a tout qui a été mémorisé. Ici, le câble est bien mémorisé comme il faut. Il y a tout qui est mis. Trop bien. Trop bien, trop bien. Par contre, petit problème. Souci. Est-ce que je peux forcer un autre item à la place? Putain. Ah mais non, mais attends. Petit de quoi? Ah. Ah boule une charte. Cobble dans les salles de cobble plus shift clic dessus. Bah sinon tu shift juste clic dessus directement. 100 mètres de cobble. Et donc, ça on met ça là-dedans. All int. Apply. Ça on met ça là-dedans. All externe. Apply. Et normalement tout est bon, c'est ça. Là j'ai plus qu'à input après Inferium mais tout est bon. Ouais, ça m'aura fait. En plus, ça m'aura fait gagner des acceleration cards, un export boss, un import boss. Par contre, ça va me faire perdre.
beaucoup de speed upgrade. Parce que là, l'Inferium, ça va. Ça va être en mode what the fuck. Ça va juste être what the fuck en fait. On a 4 soins d'Inferium, ça devrait suivre. Et du coup, tout mon Insanium sera là-dedans. J'aurais plus qu'à le mettre là-dedans. À la mano! À la mano, à la mano! En fait, c'est exactement le setup que j'avais avant. Sauf que tout se craft ici maintenant. Voilà. Ah, je sais que je stock l'Insa en dehors en fait, mais c'est ce que je veux. En plus, comme ça, je stock en dehors d'Applied. Hein. Mon Applied, il y a quand même accès pour les crafts et tout. Donc, en fait, c'est exactement pareil qu'avant. Sauf qu'en plus, je stock pas dans Applied. Donc, ça me fait gagner de la place. Tout bénef. Et en plus, je peux garder l'Inferium comme ça. Si à tout moment je mets l'Inferium dans mon Applied, je peux le garder tel quel pour faire des crafts ou autre à la mano. Tant que ça m'emmerde. Par exemple, à un moment, je sais pas si je veux un Inferium pour aller le mettre dans un drawer ou pour même pour faire un petit craft comme ça vite fait. En vrai, il y a plein de situations par moment où j'ai besoin d'Inferium brut hein, pour faire des graines. Et j'étais niqué. Parce que. Je devais tout redécraft et reprendre à la main et machin, et ça se recraftait, du coup c'était chiant. Bref. Vous connaissez l'histoire quoi. Oh, j'ai pas pris assez encore. Ah, il m'en manque deux. Paf! Alors, le seul truc c'est qu'on va avoir des endroits où il y a écrit. Comment ça c'est fertile? Il y a eu un endroit qui était pas fertile. Il y a un endroit où j'ai planté c'était pas fertile. Je le sais. Je le trouve. Ben non. Hein? Comment ça? Il y avait un endroit où c'était écrit. Il y en a deux. C'est pas fertile. Et pourquoi ça m'en affiche plus aucun? Ah tant mieux hein! Mais je veux une explication. Pourquoi ce champ il fonctionne parfaitement alors que les autres ils m'ont cassé les couilles? Je pense que ça doit dépendre des graines. Hein. Des graines doivent sûrement nécessiter beaucoup plus de lumière que d'autres. Mais j'ai envie de vous dire, vu que tout a l'air plus ou moins opérationnel. Non, j'ai pas en taxé ici parce que même ici ça galère à output. D'ailleurs, comment ça se fait que ça galère à output ici? Pourquoi ça output plus? J'ai rien eu. Pour l'instant, en attendant de mettre de probade, pour l'instant, je mets juste ça. Pareil ici. Pareil ici. J'ai demandé moi save grade en vrai en émeraude. Comment ça, missing diamond? Mais toute gueule. Mais. Non. J'ai plus accès à mes trucs de poulet. Unique. Device missing channel. Prends-moi pour un con. Ok, pour un point con, vous êtes 4 sur le réseau. Pourquoi Messine?
Ah ouais. En fait, j'ai l'impression que parfois, je sais pas, ou alors parfois c'est peut-être parce que je tire trop sur des crafts ou autre et que ça me déconnecte des trucs. C'est impossible en fait. C'est impossible qu'à un moment donné. ML aussi a eu des problèmes avec l'earring. Ah ouais, je pense que c'est juste un peu caca, un peu passé. D'ailleurs, comment ça se fait que ça m'en ait produit si peu des flux? Ah mais parce que le truc était coincé je pense, non? D'ailleurs jusqu'à quelle heure? Très bonne question. Très bonne question. De recycler comme je peux. Essaye de recycler comme il faut. Je vais en refaire. Je vais en refaire de toute façon. Non, est-ce que j'ai le truc? Le truc. Et qu'il faut pour faire ça? Normalement, j'ai tout maintenant. Automatisé en fait, du toutes les ressources. Moment. Ah ouais? Ah, je pourrais en mettre partout sans me faire chier. Ah, ça va être trop bien. Comme un pack. Un Blacky, il a mis dans la commande. hop. Voilà. On fait un petit peu en rab. Pour en mettre un petit peu partout. Après, bon, on fait pas tant que ça. Hein. C'est juste qu'au fur et à mesure, vu que je dois output un petit peu partout. Par exemple, ici, tu vois. Je pense ici, deux upgrades, ça suffit largement. Si je suis resté à 3, ça suffit largement. Bon, ici on sait que. Bon, on sait que ça suffit. Au final, je fais chier pour rien. C'est juste que, bah, encore une fois, le champ était full et du coup, ça suffit pas. Dans le doute, j'en mets une dixième. Histoire de dire. C'est tellement d'Inferium. On a vu, je ferais que je sorte une cinquième normalement. Voilà. Tac. Parfait. Il va falloir que je mette des voids un peu partout. Hein. Ouais. Eh ben écoutez, c'est pas trop mal tout ça hein, pour l'instant. C'est pas trop mal tout ça. La Ionite qui se stocke bien. 115 de stock. Mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'on a même pas fait la moitié. Et j'ai déjà plus de Ionite que je n'avais tout à l'heure quand on était sur une crate. Bon, j'avais pas eu de chance parce que j'avais pas eu de deuxième stack. Mais là j'ai déjà un stack et demi d'unit, il y a encore largement de quoi remplir. En plus on voit qu'il y a des blocs qui mettent un petit peu de temps à se remplir aussi, par exemple là, les cristaux. Là ils me en fait dès le début ils prennent un stack. Mais ils sont longs à remplir. Pareil pour la lance d'alite, pareil pour tout ça. Donc c'est pas des choses qui vont se stacker 15 fois en fait. C'est pas comme le charbon qui a déjà 4 stacks. Ça va. Tant qu'en rogue j'ai envie de vous dire, parce que vu que j'ai un crystal lens, enfin un crystal laser lens, ça a intérêt à me produire plus de cristaux qu'autre chose. La carotte. Ouais mais ma foi c'est pas trop mal hein. Faut boucher ça. Ouais je pense que ça récupère le reste du câble. Il me sert plus à rien ce câble. On a combien de consommation là dans la plaine maintenant avec notre bordel? Je pense pas que ça ait beaucoup changé hein. On est sur du 1k7 de consommation en RF pour tout le boudin. Franchement ça va. Il y a le wifi en plus. Il est bugué. Mais il est là. Je sais pas, on a combien. Est-ce que je peux voir, on a combien. Ouais, je peux voir, on a combien en consommation normalement sur l'input. En consommation totale de partout, toute part, on est à 26 000 RF. Pratique. Savoir qu'on a les miners qui tournent, ça doit être 80% de la consommation. On a les farmers qui tournent, on a Applied qui tourne. Et c'est tout. Ouais. Pour l'instant. On a 26 000, fais voir les farmers, les miners. Et puis il y a le nanobot aussi. Les ok, il y a un bon 90%, c'est les miners. C'est-à-dire que les champs en fait ils consomment que quick. Ah oui, c'est-à-dire que ouais, ok, de temps en temps ça monte à peine à 200, même pas. Quand le farmer il a masse truc à récolter, mais sinon,
Non, tu vois même pas la dit. En fait, tu vois qu'il perd un tout petit peu de cristal flux. C'est à chaque action en fait qu'il travaille. En gros, c'est dès qu'il récolte une graine, ça consomme. Je sais plus si ça consomme. 5000, non, je sais plus. Même pas. Ah non, c'est 250. D'ailleurs. Ouais, c'est 250 par fleur. Hein. Récolté. Bon, ça va. Ça va. C'est-à-dire que là, on consomme une turbine. En final, en fait, là, c'est la production d'une turbine. Une turbine, ça peut faire 25 000 RF. Là, c'est la consommation d'une turbine. Sachant qu'on en a 26. Ah, ça va, hein. Ça va, ça va. Même pas trop pour l'instant. Je sais pas ce qui peut consommer énormément d'énergie. Bah, déjà, je pourrais faire en sorte, par exemple, de transformer des têtes de Wither en. Ouais, mais ça sert à rien parce que j'ai des graines de Nether Star en fait. J'aurais pu faire le même setup que Pyro qui consomme des têtes de Wither pour faire de la Nether Star, mais ça me sert à rien. J'aurais pu le faire si jamais j'avais un setup auto avec un spawner à Wither Squelette. J'ai le spawner, hein, mais bon, ça sert à rien vu que j'ai mon champ. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de ça. Wait. On est combien de ça? Je peux en faire 5. Alors 3 miners tier 6, 35 000 et 30 fonds méca pour s'en occuper. Il n'y a pas d'ex en ici à bord. Ah oui, t'es à 250 en consommation. Ça va. Je doute que de toute façon tu as une production d'énergie largement supérieure à 200k. Le connaissant. C'est pas mal tout ça. Et avec ça, on va pouvoir se faire un Nether Star Crux. Et d'ailleurs, demain, live, oublie pas, hein, demain, live Skyblock. Live Skyblock, mais avec Pixel. Ça change un petit peu. Ça change un petit peu d'FTP, demain, c'est live Skyblock avec Pixel. Donc voilà. Ils veulent voir ça. Ah, demain, 14h30. Donc voilà. Alors après, vous attendez pas à une base ultra avancée du genre celle de Pierre et Elip par exemple, hein. Moi, je suis pas non plus énormément de temps de jeu dessus. Hein. Ça m'a rien donné. Pas que. Non, pas que personne n'a voulu, hein. C'est juste que pas trop qu'on me donne nos ressources pour avancer tranquillement à mon rythme. Normalement le farm, je sais pas si les farmers ils bêchent auto, je crois qu'ils bêchent auto uniquement s'ils doivent planter. Mais vu qu'il peut pas planter sur, il peut pas planter sur des crops. Forcément t'es niqué. Ah, j'avais 10 millions du réacteur mecha quoi en full reboot auto s'il bug. Ok. Comment tu le reboot auto le réacteur? Un truc qui fait que ça réinjecte directement l'énergie pour le relancer. Ah, j'ai pas vu que Zed y partait. Et pour être du plus plus. La bison intégrale et d'intégralité diminuée. Mais ça fait quoi exactement ce mode en fait? Parce que je connais pas du tout. Il permet de faire quoi exactement ce mode? Qui voit le chat 45 minutes plus tard. C'est quand je fais les trucs. En fait, quand je vois que ça spamme pas trop, je tourne pas trop la tête sur le chat, on va dire quoi. Vu que je t'ai occupé avec mes graines. Hein. Bon! Et c'est bon, mes vers ils sont barrés. Ah, mais mes vers ils sont barrés forcément. J'ai niqué la terre où ils étaient. Évidemment qu'ils sont barrés, les cons. Y'a plus de sol où vivre. Voilà. J'en ai pas mis là-bas. Bon, sans soi, tu me diras ici si ça produit tellement que ça sert à rien que j'en mette. Donc, je suis en Nether Star histoire de overkill un petit peu le truc. Hey Arnie, comment ça va? Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Voilà. Arium qui pop. Hein. Pop en masse. Et encore, hein, c'est pas un chantier 6, hein, c'est un chantier 5. Et avec un chantier 6. Imaginez si j'étais pas un con ou que j'avais fait le champ d'Inferium avant de faire tout le reste. Au final, c'est vrai que j'ai cramé tout mon Inferium à faire les autres champs. Donc, à faire un champ d'Inferium qui, normalement, c'est le premier champ que tu fais, quoi.
bien l'inverse. Mais bon, on parle d'Inferium là-dedans. Mais du coup, là, par exemple, cet Inferium là, il d'ailleurs est inexistant. Si je le mets dans un plaid, il se stocke en Inferium, il se stocke pas en Supremium, pas en Insanium. L'autographe n'est plus relié à Applied. Yes, yes, yes. Bon, niveau Ionite, on n'est pas trop bien. Hein. Bon, faudra beaucoup plus si je compte faire des Solar Panels. Hein. Quoique, demain, je pense que je peux faire des Solar Panels. Ou alors, je priorise. J'aimerais bien pouvoir. Ah, mais non, mais demain, c'est pas ça. Ah, en vrai. Ah, ben du coup, vu que le prochain live FTP, c'est mercredi, je pense que d'ici mercredi, j'ai le temps de récolter. J'ai de quoi récolter de la Ionite. Et comme ça, on pourrait à la fois upgrade les miners. Et à la fois faire les Solar Panels en Ionite. Et du coup, vu que j'aurai upgrade les miners, on pourra aussi après très vite transformer les sels en sels en AFM. Ils produiront beaucoup plus évidemment que les sels en Ionite. AFM qui est le tiers supérieur à la Ionite. Ionite c'est le tiers 4, 5, je sais pas. 5 je crois. Et l'AFM c'est pour le tiers 6 quoi. Mais bon, faudra que je vide tout ça quoi à chaque fois. Moi j'y vais, je reviens à 21h, mais bon, je pense pas que tu seras là. Non! Bah, comme je l'ai dit, en fait, ce soir et demain soir, il n'y a pas de live. Parce que. De toute façon, en fait, de la semaine, les seuls jours où il y aura des lives le soir, ce sera vendredi, samedi. Je pense pas en faire mercredi. Je verrai si mercredi ou jeudi. Après, il peut y avoir parfois peut-être des streams peuvent pop en dehors du planning. Mais je pense pas qu'il y en aura cette semaine. Et de toute façon, ce soir et demain soir, c'est des records. Bon. De toute façon, on va cesser là-dessus hein, pour aujourd'hui. On va stop là. On va stop là, on va stop là. On n'a pas trop mal avancé. On a nos champs qui sont bien opérationnels. On a fini la production d'énergie. Là maintenant, de toute façon, qu'on a tout ça. En vrai, il faudra qu'on s'attarde aussi à faire l'autocraft d'Applied. À commencer à vraiment autocrafter, mais d'un point de vue des machines. Notamment pour les disquettes. Hein, pour après faire des SSD et tout ça. Pour masse stockage. Et une fois qu'on aura nos SSD, on pourra relier nos bousins là-dedans. Et ouais. En vrai, on s'en foutra que ça prenne de la place. On aura des disquettes de 16384K. On s'en fout, après ça fait ce que ça veut là-dedans quoi. Enfin, bref, écoutez, moi je vous remercie d'être venu, en tout cas c'était bien cool les amis. Je vous dis rendez-vous demain 14h30 pour le prochain live qui sera du Skyblock sur les pixels. Pour ceux qui veulent du modé, rendez-vous mercredi. Pour ceux qui veulent du chevet du cube, rendez-vous vendredi soir. C'est le planning pour une installation planning pour la suite des lives. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'être venu, c'était bien fort sympathique. Bienvenue à tous les follow, les nouveaux, toutes les nouvelles. Bienvenue à vous. Merci Marguerite pour ta générosité. Et voilà, passez une bonne fin de journée les amis. Rendez-vous demain, portez-vous bien. Bisous. Ouais, je sais HL hein. Je sais bien. Mais il y en a trop, il y a 80 minerais qui sont caca. Et moi j'en garde, moi je garde que les cristaux. Il y a bien trop de minerais caca en fait, tu vois. Ah, tu mets les cristaux en blacklist à la poubelle. Ah, ok. Ah oui, en fait, tu mets tout dans la poubelle sauf que tu blacklist les cristaux, quoi. Exactement, HL.